Bienvenue dans Game of Rolls. Troisième saison hors série. Pourquoi je redis ça? Parce que, en fait, la console son vient de planter. Donc, je vais juste dire deux, trois choses comme ça, je ne vais pas les répéter à fond. Ça marche ou pas? Ouais, très bien. Bah, super, ça fonctionne. Donc, juste, je voulais vous dire que j'ai avec moi en joueuse Sam et Kyria. Voilà, dans le cadre de programme d'échange avec Rolls the Dice, parce qu'elle travaille chez Rolls the Dice, elle joue avec Rolls the Dice. On va peut-être envoyer du Daz et du Lame à un moment. Ce soir, c'est enquête policière, avec ce qui se passe dans Aria, mais en 1990. Aria se passe en France. Enfin, Aria, c'est une ville qui se trouve entre la France, l'Espagne et l'Italie. Voilà, ça reste une ville imaginaire, mais on parle en franc, on regarde TF1, voilà, et on est dans le cadre d'une enquête policière. Je répète aussi, il y a un petit jeu qui se joue en live avec les subs, c'est-à-dire que vous subez, vous êtes intégré en tant que PNJ, vous pouvez gagner ce magnifique livre, L'Art de Paul Bronner, qui m'a été envoyé par les librairies à Pumbabou. Je suis en train de tout refaire, c'est fantastique, parce que la console son n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Et à un moment, je vais citer un sub qui n'a pas subé, quelqu'un sur le chat qui est parmi vous et qui n'a pas subé, et ce sera le tueur. Donc vous aurez peut-être 30 minutes d'avance pour savoir qui est le tueur. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de tueur, peut-être que vous direz c'est un suicide et vous irez au restaurant. On peut commencer, nous sommes... Une affaire rondement menée. Ouais, voilà. Exactement. Nous sommes le 20 novembre 1990, la nuit tombe sur Aria. Vous êtes dans le commissariat, la nuit tombe sur la ville, vous êtes dans le commissariat central d'Aria, dans le bureau du commissaire Morlock, qui est fatigué par une journée de travail. À travers la fenêtre, vous voyez toutes les équipes de nuit se répartir les homicides en cours d'enquête sur un grand tableau blanc. Alors le commissaire Morlock vous dit, je note qu'il s'appelle Morlock parce que je découvre les noms en même temps que vous. Le commissaire Morlock vous dit... C'est peut-être le coupable direct. Hein. Bon, vous n'avez jamais travaillé ensemble, mais ce soir... au commissariat, ça n'arrive pas souvent, on va intégrer un nouvel officier stagiaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je suis Guy de Saint-Lec. Voilà, et donc Guy de Saint-Lec nous vient du... de Trois-Rivières, au Québec. Voilà, je suis diplômé de l'université de criminologie des Trois-Rivières. Voilà, c'est notre cousin du Québec, alors il n'a jamais occupé le terrain. Je suis impatient de voir des cadavres. C'est pour ça que ce soir, vous allez passer une petite nuit ensemble, une petite patrouille, comme ça vous allez montrer différents aspects du métier. Par exemple, il y a vous, officier... Santiago. C'est Santiago. Oui. Bon, vous, je vous aime beaucoup. C'est un peu le bon élève du commissariat. Il est compétent dans tout, il connaît très bien la loi, il n'a jamais fait un pas de côté et il connaît très bien la médecine légale. Donc, j'espère que vous expliquerez à notre stagiaire comment ça fonctionne à Aria, comment on n'a pas le droit de défoncer les portes sans mandat de perquisition, par exemple. Jamais ça. Non, bien sûr. Et comment on relève des empreintes de façon propre. Il sera entre de bonnes mains. Magnifique. J'ai avec vous, dans votre équipe de ce soir, j'ai l'officier Romanoff. Officier Romanoff. Officier Romanoff, c'est un ancien Marines, un ancien pompier. Il grimpe les cordes à une seule main, voilà. Et personne n'est aussi fort que lui au flingue et pour tabasser des gens, voilà. Je t'apprendrai à le battre, petit. J'attends ça impatiemment. J'ai avec moi... donc tout le commissariat le connaît, en bien ou en mal. Tu vas pas me la faire à moi. Oui, alors vas-y, présente-toi, parce que comme ça... Je me présente vraiment en plus. Officier, mais c'est le stagiaire. Mac Reynolds, inspecteur Mac Reynolds. Voilà, on l'appelle aussi Reynolds ou Mac. Par contre, je comprends pas, si on est quatre dans une voiture de patrouille, on met où les mecs qu'on coffre? Eh bien, ce sera une nuit, très tranquille, Reynolds, pour une fois. Ah. Donc, vous êtes bientôt à la retraite? Ah ouais, effectivement. Bon, en tout cas, oui, c'est bientôt la retraite, Reynolds. Ah bah bientôt la qui, dans 2 mois. Donc Reynolds, il a tout vécu, il a une bonne psychologie, une bonne intuition. Un peu pour ces conneries, quand même. Et parfois, il aime un peu trop les indiques. Parfois... Tu vas voir, Saint-Fleuve. Avec moi, tu vas Saint-Lake. Non, Reynolds. Saint-Lake. Ouais. Il vient juste d'arriver, on commence pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous vous entendrez bien et que vous ferez une bonne impression à notre stagiaire. Et que également, parce que tôt ou tard, vous serez amené à patrouiller en équipe de 2. Voilà, donc ce soir, je donne les clés de votre Mitsubishi 6 places modèle Shazam. 6 places à Reynolds. Okay. Mitsubishi Shazam. Sachez, Reynolds, que dans la boîte à gants, sous clé, il y a un fusil à pompe. J'espère que vous n'en aurez pas besoin. Quand je dis sous-clé en tant que MJ, ça veut dire que si tu es parti dans un entrepôt louche sans me dire « je prends le fusil à pompe préalablement », il est toujours dans la boîte à gants. Dans le coffre, il y a une mallette pour le médecin légiste pour prendre des relevés d'empreintes, ce type de choses. Également, Reynolds, vous avez une radio. Nous sommes en 1990, pas d'internet, pas de téléphone portable. Par contre, vous pouvez passer des coups de fil via le central chez nous, via la radio. Exactement. Et également, vous pouvez, si vous avez besoin que quelqu'un coffre des gens pour vous ou de renforts supplémentaires parce que vous avez des problèmes, vous pouvez demander, n'hésitez pas à la radio. C'est qui au dispatch ce soir? C'est Hollande. C'est 5Q. Ok. 5Q. 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 Et pour bien accueillir notre stagiaire, nous avons un petit cadeau pour vous. Oh bah c'est adorable. Une note de frais sans montant qui sera utilisée pour emmener vos collaborateurs dans le restaurant de votre choix. Cependant, si vous voulez bien vous faire voir par la hiérarchie, ne prenez pas quelque chose de trop cher. Très bien. Si vous voulez bien vous faire voir par vos officiers, prenez quelque chose de sympa. Bah, vous avez 300 francs chacun, une arme de service, un badge et des menottes. C'est quoi comme arme? Attends. C'est un... Je ne m'y connais pas en arme, c'est un revolver. 300 francs. Qui fait 1d8 de dommages. 300 francs. C'est une question de rhétorique. Une arme. 300 francs, ils sont là. Non, parce que ouais, on a un badge. Toujours avec Smith & Wesson calibre 38. On a un badge. Votre arme de service. Un badge, tout à fait. Et 300 francs, des francs français. J'avais ramené ma petite lampe de poche d'enquête, qui était mon cadeau de fin d'études. Dans la madelette du médecin légiste, vous avez une lampe de poche. Très bien. Alors. Je vais faire ça toute la soirée. Non. Parce que. D'accord. J'arrête. Comme ça doit être une bonne ambiance ce soir, je vous ai réservé une affaire que je pense extrêmement simple. Okay. Je n'ose pas tirer aux conclusions tout de suite, mais ça a tout l'air d'être un suicide. Donc, on nous a signalé le cadavre d'une femme sous un pont routier de l'autre côté du fleuve. Donc, au début, ça a été un signalement qu'on nous a fait par téléphone, mais comme l'appelant n'a pas voulu donner absolument pas ses coordonnées, on ne l'a pas pris au sérieux. Mais il se trouve que Petit Ping, qui passait par là, qui avait une patrouille de police, l'agent Petit Ping... Petit Ping, c'est un... C'est un agent. C'est un agent. Il a effectivement découvert une scène de crime et il l'a sécurisée et il vous attend sur place. Est-ce que vous avez des questions? Non, je ne pars plus. Alors. Tu conduis, Reynolds? Ouais. Vous allez directement sur la scène de crime? Ouais. C'est de l'autre côté du fleuve, t'as dit? Oui. Ouais, bon, bah oui, ok. On passe avant choper un truc à becter ou pas? Non? On y va direct? Non, pas le resto tout de suite. Attends, on va pas commencer à fêter. Bah, je sais pas. On peut faire comme des vrais policiers. Moi, ça m'excite un peu d'aller choper des donuts et genre un sandwich et après de rouler à toute berzingue. Ok, on va passer d'abord chez Dunkin' Donuts. Voilà. Vous voulez prendre vous voulez prendre à manger ou pas? Ouais, non, mais juste des donuts. Rapidement, c'est bon. Des donuts pour le stagiaire. C'est mon cadeau de bienvenue pour mes stages. Je veux bien le faire voir. Avec la note de frais ou pas? Non, c'est sur mon argent perso. Je vous achète chacun. Une boîte de donuts? Vraiment, Renaud, je fais payer le stagiaire. Une boîte de 16 donuts. 40 francs. 40 francs? Ah bah, et donc. Ok. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ok, très bien. Vous arrivez devant le magasin de donuts qui se trouve non loin du fleuve, le Parcoul. Il est tenu par Nilto. Ah, Nilto! Oh. Nilto, oui. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de raqueter? Vous le connaissez? Bah, bien sûr, je connais tout. Quoi? C'est bientôt? Raqueter, non? Je suis pas tout seul. Donc. Non, on vient chercher les donuts les meilleurs. La fournée que tu viens de faire. C'est 40 francs la boîte de 6. Tenez! Nilto! Attends. Quoi? Si tu veux durer dans ce métier, ouais. Apprends à pas donner l'argent. Alors, fais un jet de relations louches. Bien sûr. Donc, je rappelle, en relations louches, j'ai 80. L'enquête piétine. 38. Écoutez, je vous les offre et c'est de bon cœur. Merci. C'est trop bien, en fait, on peut avoir de la nourriture gratuite. Ouais, pas de ça. Comme des influenceurs, très bien. Alors, je garde mon argent. Marche, dormez pas, petit. J'ai tout à taper. Romanoff, Santiago, si vous voulez des petits donuts. Vous dégustez ces donuts et vous repartez et vous traversez les différents ponts qui vous mènent de le commissariat jusqu'à la scène de crime. Donc, vous stoppez les moteurs non loin de la scène de crime. Doum, doum. Bon. J'ai le doum doum aléatoire. Elle est située de l'autre côté du fleuve, dans la partie pauvre d'Aria. Au-dessus de vous, donc au-dessus de la scène de crime, passe une grande route qui traverse la ville sur des piliers de béton, donc un pont routier. En dessous, quelques tentes de SDF, la rive du fleuve qui s'écoule lentement et le grillage d'un entrepôt de vente en gros de robinetterie. Les phares de la voiture de patrouille de l'agent Petit Ping illuminent la scène et il a délimité la scène avec le ruban jaune. Et il dit, Reynolds, normalement, personne n'est passé sur la scène à partir du moment où je l'ai découverte. Et je crois que Petit Ping. Je te présente l'équipe, tu connais déjà? Non. Manoff, Santiago. Oui. C'est un étang, c'est quoi? C'est un fleuve? Guy de Saint-Lec. Voilà, des Trois-Rivières. C'est le stagiaire, t'inquiète. Ravi de vous rencontrer. Bah, il est officier quand même, donc... Bah, il est stagiaire officier. Ah, officier stagiaire. Okay. Alors, allez, dis-nous, franchis-nous un petit peu, Petit Ping, là, qu'est-ce qu'on a? Bah, j'ai rien fait, j'ai juste délimité pour que personne n'aille sur la scène, c'est vous les officiers. Okay, c'est vous les interprètes. T'as fait quand même un premier constat, mais t'as délimité. Non. Bah, non, c'est. Tu n'as rien touché. Je n'ai rien touché. Ok. Donc c'est à nous de faire le. Allez, Santiago, je te laisse faire. Hein. Bon. Alors, je prends ma mallette. Alors, l'officier Santiago s'approche du cadavre. Ok. Donc, c'est une femme. C'est une femme. Une pauvre femme au corps très abîmé qui est sur le sol. Elle est blonde, elle a un tailleur et une veste à épaulettes. Okay. Une femme des années 90, quoi. Mmh. Alors, tu peux faire un jet de médecine légale pour que je t'en dise plus. Et tu peux également, quelqu'un peut faire un jet de perception pour la fouiller. Mais je vous conseille de faire un jet de médecine légale avant de la porter. Ouais, avant de la fouiller. C'est vous la plus forte en médecine légale, Santiago ? Oui, à 80. Ok. Donc, j'y vais, je prends les 2 dés. Ah oui, je suis une brêle en médecine légale. Ah, moi, je suis nul aussi. Ouais, bah, 87. Comment là, Santiago ? L'officier Santiago s'approche du cadavre et renverse tout son équipement sur le corps, effaçant toutes les preuves possibles du corps. Alors, du coup, tu peux faire juste un constat comme ça, ouais. Et tu décides que, vu comme elle est abîmée, soit elle est tombée du pont, soit on lui a roulé dessus avec un véhicule. Voilà. Wow. On peut tenter, nous, de faire un jet de médecine légale, tout à fait. 80 J'ai 20, moi. J'ai 20, c'est chaud. Ah, ouais, ok. Eh ben, on peut faire perception, sinon. Ouais. Non, intuition, ça marche pas. Perception pour fouiller, c'est le moment de fouiller. Okay. Perception, vous avez combien ? Je crois que t'es le plus élevé, hein. Moi j'ai 60. Est-ce que je peux avoir un petit dé ? Je vais tenter une médecine légale quand même, c'est ma première enquête, c'est mon premier cadavre. Mais non, attends, sinon tu vas bousiller le corps un peu. En perception, j'ai 80 sinon. En perception. Oui, mais comme t'avais 80 en médecine légale. On va écouter le stagiaire. Pardon, tenez. Vas-y, lance perception. Tentons la perception. Hein, je rigole d'avance. Donc on a bien vidé tout ce qu'il y a autour de moi, pas de café, il n'y a rien qui puisse se renverser sur la... 45. Ah bah c'est mieux. Santiago enfile des gants et commence à fouiller. Et elle ne trouve malheureusement qu'une alliance. Une alliance. Une alliance. Une alliance qu'elle porte au doigt, mais rien d'autre sur elle. Okay. Une idée de la rigidité cadavérique, c'est encore chaud, c'est tiède, c'est froid. Impossible à dire, et impossible à dire elle a raté son jeu de médecine légale. Est-ce qu'on peut demander à Ping à quelle heure il a trouvé cette femme ? Ça fait 3 quarts d'heure que je suis là. 3 quarts d'heure. On a commencé le service à disons 18h. 18h. Donc. Alors. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des SDF dans le coin. Oui. Est-ce qu'on n'irait pas leur poser des questions, peut-être les interroger, oui. Les interroger. Je pourrais les interroger avec la lampe dans la gueule comme ça ou pas ? Alors, il y a une tente de SDF qui semble habiter, qui sent très mauvais. Qui s'approche de la tente pour poser des questions ? Qui apparaît le plus sympathique ici ? Est-ce que sympathique ? Aïe. Ah, faut être sympa. Non, moi, je pense plutôt qu'officier Romanoff devrait y aller. Intimidation. Bah oui. Bon, là, il n'y a pas de porte à casser, c'est des pour intimidation, pour SDF, on est... Alors, l'officier Romanoff s'approche de la... Alors, tu t'approches de la tente. Ouais. Tu sens qu'il y a quelqu'un dedans. Qu'est-ce que tu fais ? Sachant que ça sent quand même très mauvais et t'as pas trop envie de t'approcher, mais tu peux t'approcher, tu peux rentrer si tu veux même dedans. Ça sent mauvais comment ? Ça sent... Moi, je me sens pas bien en tout cas. Ça sent pas le cadavre, mais ça sent la crasse et l'alcool. Non, bah, je leur demande de sortir en fait. Alors quelqu'un sort. Officier de police, sortez. Alors, Utax, le SDF, sort. C'est un vieux mec qui a plus de cheveux et qui est en train de boire une bière, qui a une bière à la main, fraîchement achetée. Et il dit, officier de police, je suis en train de boire une bière. Un peu de visite, ça me fait pas de mal. Mm-hmm. Nous sommes actuellement en train d'enquêter sur un meurtre. Sur un cadavre qu'on a découvert juste à côté de votre tente. Et du coup, on aimerait vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez vu quelque chose ? Est-ce que... Alors, il dit... Vous avez vu quelque chose ? Oula, moi, bah oui, personnellement, j'étais dans ma tente et je buvais des bières. Et j'en ai plein. Vous en voulez une ? Vous avez un alibi ? Ah, bah c'est gentil, moi j'en veux bien une. Du coup. Non. On n'a pas le droit. Okay. Vous avez un alibi ? Un alibi de quoi ? Ah, carrément, là, on attaque fort. Oui. Bah, écoute, il est à côté d'un cadavre, désolé, mais... Rien entendu C'est ça, entendu, oui. Mais regardez, il y a vachement de gens qui se suicident ce pont, ça arrive tous les jours. Ah ouais ? Ouais, des fois, ils tombent dans le fleuve. C'est le pont des suicides, un peu, ici ou... Ouais, un peu ça, ouais. Ok. C'est la crise, c'est dur. Ils ressemblent à quoi, ces gens ? Ouais, je dirais pas que ça arrive toujours, moi, je perds le sens du temps qui passe. Bon, en tout cas, t'as rien entendu d'inhabituel. Pas de mouvement, pas de bruit de voiture en plus, rien des hurlements peut-être par exemple, un petit cri, quelque chose de subtil. Alors il dit non. On peut perceptionner sa tente ou pas ? Ouais. Tu peux jeter un œil sur sa tente, tout à fait. Je peux lui mettre un petit coup de pression pour être sûr qu'il dit la vérité ? Oui. Salut. Romanoff le sourire. Je peux le pressuriser. Alors, je suis à 65 moi du coup. Ouh, ça passe. Alors, tu lui fais peur et tu veux lui faire quoi? Tu veux lui dire, parle, tu sais des choses que tu ne sais pas, que tu ne veux pas dire? Ouais. Alors, tu lui fais peur de quelle façon? Je peux pas le menacer avec une arme, je pense. C'est un peu trop, quand même. Non, je sais pas. Je peux l'attraper par le col ou quelque chose comme ça et dire... Tu vas parler. Parle. Alors, il dit, écoutez, OK... Je l'ai vue tomber, elle est tombée. Et puis, fais-moi un jet de psychologie, tiens. Psychologie. 30, mais moi j'ai 70. J'ai 10. Moi j'ai 70. Non, mais c'est lui qui interroge. C'est à moi, aïe, aïe, aïe. Bah, tu peux réussir. Oui. Et il rajoute... oui, elle est tombée. Je me suis approché, elle était morte, il n'y avait rien à faire, je suis retourné dans ma tente. Ah, voilà. Il s'est rapproché. Et alors, du coup, tu peux lui demander si... Du coup, ça veut quand même dire qu'il est venu aller la, la voir. Il n'a rien volé, il n'a rien pris. Tu t'as accès à ce que tu as ramassé. J'ai rien volé, ce serait illégal. La vérité, la vérité. J'ai toujours mon poing à côté de ton visage. Hein. Donc, tu l'as déjà intimidé, tu veux faire quoi pour lui faire parler? Est-ce qu'en parallèle, je peux faire un jet de perception pour bien l'observer et regarder dans sa tente un peu? Ouais. Vous pouvez rentrer dans sa tente de force. Moi, j'utilise mon lien avec. Est-ce que rentrer dans la tente d'un SDF, c'est légal ou pas légal, vu que c'est pas vraiment une maison? On a besoin d'un mandat pour perquisitionner une quichua ou pas? Si ça peut te rassurer, il ne portera pas plainte. De toute façon, s'il porte plainte, il va le faire avec nous. C'est bien, tu commences à comprendre ce que c'est qu'être policier. Il comprend bien, lui. Non, mais donc, moi, j'utilise mes liens avec l'underbelly. Non, il te connaît. Enfin, c'est un SDF, c'est pas un voyou. Pas mal, quoi. Et donc, est-ce que vous voulez rentrer dans sa tente? Qui rentre? Moi, j'aime bien faire une perception dedans, ouais. Donc, tu rentres dans la tente, pendant que lui, elle le tient par le col. Voilà, donc, Santiago rentre. Non, il n'y a pas besoin de faire de perception. Dis donc, les flics Aria, ça... Tu perds un point de vie parce que ça sent vraiment mauvais et c'est intéressant pour toi. Tu découvres 24 bières. Ok. Et un sac à main. Ah. Okay. Un point de vie qui a servi à quelque chose. Oui. Ok, donc je fais un clin d'œil à Reynolds en lui disant que. Tu m'envoies le sac comme les professionnels ils font. C'est ça. Tu me l'envoies comme ça. Je regarde dans le sac quand même s'il n'y a pas des papiers ou. Tu veux savoir ce qu'il y a dans le sac? Ouais. Attends. Sans envie de l'attendre avant de perdre encore des points de vie, non? Avant même de regarder ce qu'il y a dans le sac. On ressort avec le sac et on le met. Je veux d'abord jouer là-dessus avec lui. Okay. Bah, oui. Petit Ping, il dit, est-ce que vous voulez que j'emmène Ultio Iltax au poste pour l'interroger? Est-ce qu'on peut lui montrer le sac et lui dire que s'il ne se met pas à coopérer et à vraiment dire tout ce qu'il sait, on l'emmène au poste? Écoutez, agent Romanoff, moi j'ai ce sac qui m'est tombé dessus dans la tente. Okay, et donc je me suis dit, c'est comme un cadeau de Dieu. Et j'ai ouvert et puis tombé voilà. Tombé dessus dans la tente? Oui, c'est ça. Enfin, j'avais la main qui sortait de la tente et hop, il est tombé dedans. J'en ai vu des mensonges, mais j'en ai vu des meilleurs. C'est pas comme ça que Dieu agit normalement. C'est pas très catholique ce que vous avez fait. Écoutez, moi je sais pas. Je pense que si vous trouvez un billet de 100 francs par terre, bah, vous le prenez. C'est ça. Nous, au Québec, oui, mais là, le sac ne s'est pas téléporté dans votre tente. Je suis pas québécois. Bon, en tout cas, si vous voulez ce sac, bah, prenez-le. Il n'y a pas de problème. Ah, encore heureux qu'il n'y a pas de problème. Pas comme si t'avais le choix. Tu vas aller faire ta déposition avec Petit Ping. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Bah, c'est pas grave. Bon, Petit Ping dit je l'emmène au poste. Allez, c'est parti. Ok, Petit Ping l'emmène au poste. Alors, question du coup, est-ce que vous ne voudriez pas aller voir la route qui est au-dessus, si elle a sauté ou elle a été poussée de la route, mais il y aura peut-être des indices? Est-ce qu'on peut déjà regarder ce qu'il y a dans le sac? Oui, c'est vrai. Il y a peut-être des papiers d'identité, on peut peut-être voir la photo et réussir à être sûr au moins que ce soit son sac. C'est ça qu'on a. Dans le sac, il y a une carte bancaire. Des papiers d'identité au nom de Stéphanie Nova Prime. Ah ouais. Ça, c'est un bien. Okay. Résident rue d'Irem, une zone pavillonnaire au nord de la ville. Elle est mariée à Boris Nova Prime et travaille comme greffière au tribunal. Alors, Stéphanie et Bruce Nova Prime. Boris. Il y a son permis de conduire, il y a des clés de maison probablement, des mouchoirs en papier. La carte de visite d'un avocat, maître Justine Sunny Nuts. Comment? Sunny comme lumineux et nuts comme les noisettes. Des chewing-gums morts, un miroir, une petite bouteille d'eau, une bombe lacrymo, je vais rapidement, un rouge à lèvres, des serviettes hygiéniques, du fil dentaire, des pansements. Donc si vous avez besoin de la liste, je peux vous la faire à n'importe quel moment. D'accord. Ok. Alors, déjà, il faudrait avertir le mari. Prévenir le mari. Prévenir Boris Nova Prime, ouais. Et peut-être interroger. S'assurer que c'est bien la femme que nous avons qu'on a découvert sur la route. Sur les papiers, normalement, on voit la photo. Le permis de conduire, il y a la même photo. Et même si son visage est particulièrement déformé. Ok. Voilà. Donc c'est elle. Donc il faut Il faut qu'on avertisse son mari. On a plusieurs choses à... Déjà, premièrement, quelle voiture elle conduisait. Parce que si elle s'est suicidée, est la voiture? Si elle s'est suicidée, la voiture, elle doit être là-haut. Elle doit être là-haut. Prévenir le mari. Rendre visite aussi à l'avocat pour voir s'il connaissait cette personne. Oui, parce qu'elle était quand même... Déjà, elle était greffière. Elle est greffière, donc on ne sait pas si c'est un lien professionnel. Et en plus, elle est en contact avec une avocate, c'est ça? Justine Sunny Nuts. Justine Sunny Nuts, tout à fait. Alors, quelle est votre prochaine étape? On monte... on voit un peu ce qu'il y a en haut, ouais. Ouais, on monte sur la... Vous montez sur le pont routier. Ouais. Et quelqu'un me fait un jet d'une perception, par exemple. Moi, je ne vais jamais faire des jets de rien, à moins être sympathique. Est-il réussi? Non. Il est pas réussi, hein. 67. Sur combien? Sur 60. Voilà. J'ai 80, je peux le faire aussi. Reynolds ne trouve rien. On peut tous le faire à tour de rôle, du coup? Ça dépend. Donc, tiens, Reynolds, je vais passer à ta place. Là, c'est pas ta Je dis pas les mêmes choses. 07. Là, elle veut la marque de la route. Comme il est particulièrement... Alors, il n'y a rien, parce que c'est un pont routier, il y a beaucoup de trafic. Et effectivement, vous avez peu d'espoir en arrivant. Donc, il n'y a pas son véhicule. Reynolds n'a rien trouvé, il a trouvé par terre et tout. Mais l'agent Santiago se pose sur le pont et se penche. Regarde et d'un œil d'aigle regarde l'entreprise de robinetterie qui se trouve à côté de la scène de crime. Ah, c'est qu'il y a des entrepôts à côté. Et il y a une caméra de surveillance qui pointe sur la scène du crime. Ok. C'était bien de monter jusque là-haut pour redescendre. On aurait pu savoir. Du coup, c'est le soir, du coup. Ouais, mais du coup, c'est fermé. Ah, mais il doit y avoir un. Alors, c'est l'entrepôt Destock Plus et effectivement, il a un numéro de téléphone si vous voulez les appeler. Ok. Non, mais on va toquer à la porte, il y a des vigiles dans ces trucs-là, de nuit. Et forcément, vu que apparemment, c'est un quartier pauvre, donc je sais pas si c'est des entrepôts ou c'est vraiment une usine... On va aller voir. On va aller voir. On y va. Le grillage est fermé, il n'y a personne. Par contre, du coup, ça veut dire qu'on n'a jamais retrouvé la voiture. C'est-à-dire que la thèse qu'elle soit venue avec sa voiture pour se suicider, s'éloigne un petit peu... Ouais. Déjà, il faudrait qu'on sache quelle voiture elle a. Alors du coup, je pense qu'on devrait passer un coup de fil à Ping. Qui a embarqué... Petit Ping, donc tu l'appelles avec la radio, oui, et donc? Il faut qu'on lui demande déjà de peut-être questionner un peu plus le SDF pour savoir ce qu'il a vraiment entendu, s'il y avait un bruit de voiture, si... Parce qu'il l'a vu tomber quand même, c'est-à-dire que... Vous, quand vous interrogez, vous faites ça en 4 passes. Donc vous faites une fois, 2 fois... Non mais je sais pas, moi je pose des questions. Il dit pas tout du premier coup aussi. D'accord, pour être sûr qu'il oublie rien. Il va interroger... Il est en dégrisement. Vous le jussez, quoi. On peut appeler le dispatch aussi pour lui demander d'envoyer une voiture de patrouille chez Stéphanie Nova Prime. Non, mais chez Boris. Alors, pourquoi Boris, c'est peut-être la maison de la femme. Donc l'officier de dispatch 5Q dit... Reynolds, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On aurait besoin d'une voiture de patrouille pour aller chercher monsieur Boris Nova Prime. Vous voulez qu'on aille le chercher pour lui dire, pour faire quoi? Ramener-le au poste pour lui dire que sa femme est potentiellement en mauvaise posture vitale. Je suis navré, mais peut-être vous devriez lui dire en personne. Oui, c'est quand même une... Sa femme vient de mourir. Alors, non, mais on va lui annoncer quand il viendra au poste. Le gars, il se fait embarquer de force. En fait, ta femme, elle est morte. Ah oui. Non, on ne t'emmène pas au commissariat pour ça. Bien sûr que si. On va y aller. Alors, au Québec, en tout cas, on est plus gentil. Au Québec, on va chez les gens et on leur annonce. Oui, mais à Aria, on n'envoie pas des inspecteurs confirmés pour aller toquer aux portes et dire bonjour aux gens. Il y a peut-être 2 écoles, mais on va revenir sur l'enquête. Okay. Attention à toi, Santiago, commence pas. Bon, tu as 2 mois de l'acquis, tu vas pas me casser les rouleaux. Santiago, il dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu vas chercher Nova Prime, on le réceptionnera au commissariat. Je lui pique le truc. Je lui dis, alors, du coup, tu vas nous chercher quelle est la voiture de cette femme, parce qu'on a son permis, on a son numéro, donc on veut savoir le véhicule qu'elle avait. Déjà, on pourra voir s'il n'y a pas un lien... Ah ouais, toi, t'as un super listing, toi. Bah oui. J'aime les listes, j'aime les tout doux. Des gens, tu mets le nom. Alors je note, vous voulez le véhicule. Est-ce que je ramène bien Boris au poste? Boris, oui, non. On le rejoint. Je suis désolé. Alors Sakiu, il dit, vous savez quoi? Vous m'appelez quand vous êtes tous d'accord. Et il raccroche. Faisons-le à la manière d'Aria. Ok. C'est sympa vos petits trucs là, mais on va le faire. On va aller le voir nous-mêmes, on va quand même lui annoncer. Oui, on l'annoncera au poste. C'est nous qui allons le réceptionner quand il arrivera au poste. Inspecteur Reynolds, la majorité est contre vous peut-être. Oui, ça nous permettra aussi de pouvoir éventuellement... C'est pas la majorité qui m'a tenu en vie dans les rues d'Aria, ok? Ça nous permettra éventuellement aussi d'analyser la maison. C'est pas pour ça, la petite dame, il faut une commission rogatoire. Alors on fait quoi? D'abord, on invite le mari au commissariat. Le mari peut aussi vous inviter à l'intérieur. On discute avec lui. Bah oui, bien sûr, t'as 4 flics qui sont sur le pas de ta porte la nuit. Et quand ils t'annoncent que ta femme elle a un problème, je pense qu'ils te laisseront entrer. Ok, on va le faire à votre manière. Là, on appelle ça Morlock et voilà. Allons-y, allons-y. Allez, on va le faire... Attendez, on peut peut-être aussi... À la québécoise. Non, mais sinon, on peut peut-être aussi appeler tout simplement pour demander si on peut avoir une commission. Obligatoire. Ouais, pour faire une commission. On va beaucoup trop vite là. Il faut quand même des soupçons pour avoir une commission rogatoire. Le mari est automatiquement soupçonné normalement. Oui, mais pour l'instant, c'est peut-être un suicide. Oui. Mais bon. Si on n'avait pas foiré la médecine légale dès le départ, on en saurait peut-être un peu plus. Hein, Santiago? Alors allons-y, allons à la maison, faisons ça à la québécoise. Non, attendez, on devait pas aller récupérer les vidéos de l'usine à robinet? Non, parce que c'est fermé, du coup il n'y a personne dans le... On peut peut-être aller voir au moins si c'est... L'enquête va se passer toute cette nuit. C'est-à-dire si je vous dis à un moment... Oui. Si le mec vous dit revenez demain matin, ça marche pas. Ah, d'accord. Ça sera résolu cette nuit. Ok. Bah on va aller voir alors. Il y avait la grille. Il y a la grille. Il y a un numéro de téléphone, c'est écrit en gros, si tu veux acheter des robinets en gros. Ok, on appelle le numéro. On appelle, vous appelez et il y a un certain Raymond Percastor qui vous répond et dit écoutez, là c'est le match, est-ce que vous pouvez me rappeler dans 2 heures? Non. C'est une enquête policière, c'est urgent, il va falloir répondre maintenant. C'est l'interlocuteur. Vas-y Romanoff, tu m'as l'air déter. Bah ouais, mais moi je suis pas très sympathique, j'ai peur. Alors qui au téléphone? Vous voulez acheter des robinets? Ah, moi je suis très sympathique, c'est la seule stat où je peux vous aider. Ok. J'ai 80% sympathique. Bon alors c'est toi qui parles? C'est la police. Vas-y, allez, on laisse le stagiaire faire. Ah. Alors, vous voulez acheter des robinets? Non, en fait, monsieur Percastor, on ne voulait pas acheter des robinets, mais nous avons une enquête en cours et on a besoin d'accéder à... On a volé mon entrepôt? C'est une possibilité, mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas possible. Mais on a besoin d'avoir accès, s'il vous plaît, à vos vidéos de surveillance. Bah écoutez, et maintenant. Vraiment maintenant, parce que là, c'est le match AJ Auxerre contre Olympique d'Aria. Et vous savez que c'est... Mais grâce à la technologie d'aujourd'hui, vous pouvez faire un show view sur votre magnétoscope et la VHS enregistrera tout pendant 4 ans. J'ai un magnétoscope, vous me prenez pour un paysan, j'en ai acheté un hier. Et ben voilà. Et ben je sais, mais le voir en direct, c'est quand même quelque chose de complètement différent. Est-ce que vous comprenez? Dans la voiture, on a un petit poste, il pourra regarder à l'intérieur. Nous avons un poste pour dans notre voiture de police pour que vous puissiez regarder le match en direct. Fais un jet de être sympa. Je suis trop sympa, c'est mon seul. J'ai 4 heures. Je suis québécois, je devrais avoir 100. Oui, c'est ça. 92. Il dit « Jamais je viendrai, de toute façon, vous m'avez l'air très louche, vous n'avez même pas un accent d'ici, vous pouvez pas être d'un flic » et plâ, il raccroche. Je fais tout pour avoir un accent de la métropole, pour pas qu'on me critique sur mon accent. On appelle le dispatch, 5Q. 92. 5Q, oui, alors, on va chercher Boris. Ce serait bien que tu nous envoies une... Non, on va aller chez Boris, par contre, ça serait bien que tu nous envoies une voiture chez un dénommé Percastor. Et on fait quoi? Toi, tu veux... on le ramène au poste. On ramène tout le monde au poste. Sous quel motif? Oui. Enquête criminelle. Ils bossent tous comme ça, les flics? Ça dépend. Écoutez, si vous voulez des résultats, à un moment donné, il faut se mouiller. À un moment, il faut parler aussi. On a essayé la gentillesse, ça marche moyen. Bon, et ben écoute, je note. Donc tu me le ramènes par le callback au commissariat et on lui demandera de... Enfin, on l'escortera jusqu'à l'entrepôt pour qu'il nous donne les bandes de vidéosurveillance. Oui, qu'il nous le ramène directement jusqu'à l'entrepôt, alors. On va pas attendre, nous, on va chercher Boris. Ok. On va chercher Boris, je rappelle, parce que vous voulez qu'on y aille. Bah oui, parce que c'est comme ça qu'on fait. Oui, et donc il n'y a plus personne sur la scène de crime, puisqu'on a envoyé l'autre avec le SDF. Génial. Vas-y, Santiago, je te laisse gérer. Alors, est-ce que vous suivez la piste de domicile de Boris? Est-ce que vous avez également une carte d'avocat? Ou est-ce que vous attendez Percastor? Ou est-ce que vous faites autre chose? Combien de temps Vous avez tout le temps. Mais simplement, quand se terminera notre jeu de rôle à 23h20, parce qu'on a commencé avec du retard, et ben, le soleil se lèvera et ce sera la fin de votre service. Et l'enquête sera passée à quelqu'un d'autre. Vous voulez qu'on split? Il y en a 2 qui vont chez... Pas de splitage, une seule Mitsubishi. Une seule Mitsubishi. La Shazam. Alors, du coup, il faut quand même demander au dispatcher de nous ramener quelqu'un pour surveiller la zone de crime, parce que si tout le monde se barre, il n'y a plus personne. Ouais. Dans ce cas-là, je dirais qu'il faudra attendre Raymond Percastor, parce que tu as quand même demandé à ce qu'une voiture aille le chercher. Donc, donc on reste ici. Donc Percastor va être ramené ici, c'est ça? Oui, il faut qu'au moins on ait la vidéo. Okay. Après, on pourra annoncer la mort de Stéphanie, son mari, plus tard. Stéphanie Nova Prime, un si joli prénom. Alors, étant donné que faire venir Percastor et le temps qu'il enfile un jogging et qu'il vienne et qu'on l'apporte, ça va prendre une demi-heure, est-ce que vous voulez aller manger? On a déjà mangé. On a déjà mangé des donuts. Il y a eu les donuts, mais il y a... Non, mais par contre, on peut essayer d'appeler la personne qu'on a trouvée sur la carte. J'ai une note de frais et je propose de payer le repas dès qu'on aura résolu l'enquête. Quand on aura résolu l'enquête. Ça vous va? C'est chouette. Il n'y a pas des services de gens qui livrent en vélo, là? Bon, ça pas encore. Ça. Sinon, on peut passer des coups de fil. Alors, tu veux appeler maître Justine Sunny Nuts, c'est ça? Ouais. Ah, oui. Qui a le téléphone? C'est dans la voiture, non? C'est ça? Oui, je sais, mais il y a une seule personne au téléphone qui parle à chaque fois. Bah, ça dépend. Est-ce qu'on privilégie la sympathie ou est-ce qu'on essaie de l'intimider un peu? Bah, c'est un sachant qu'à mon avis, un suivi d'avocat, c'est pas le meilleur plan. Non, mais on peut passer un coup de fil normal. Hein, je veux dire, juste pour savoir si elle a travaillé en ce moment. On peut faire passer. Policier et avocat, on travaille ensemble. Hein, donc, oui. Oui, c'est vrai. Alors, c'est toujours la même question. Qui téléphone? Bon, bah, j'appelle, allez, hop. Allez. Alors, Reynolds appelle Maître Justine Sunny Nuts. Ça va. Relation louche, bah non, relation respectable. Ah, t'as combien? Ah, pareil. Attends, t'as 80 en relation louche, 70 en relation respectable. Il a tout le monde, lui. Il a de l'enseigne. Il est en relation, quoi. Alors, Maître Justine Sunny Nuts décroche l'appareil. Bonsoir, Maître. Bonsoir. C'est le détective Mac Reynolds au téléphone. Vous avez un problème de couple? J'aimerais. Non, non, je vous appelle parce qu'on a retrouvé un cadavre sous le pont autoroutier, à côté du parcours. Oui, je ne suis pas pénaliste. Et oui, dans le sac à main de la victime présumée, on a trouvé une carte de visite. Ah, vous avez le nom de la victime? Oui, c'est Stéphanie Nova Prime. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est une très mauvaise nouvelle. Bah, c'est une de mes clientes. Une de vos clientes? Dans quel cadre? Bah, je suis avocate spécialisée dans les divorces, donc... Donc il y a des problèmes de couple, c'est ce que vous nous dites. Je ne peux pas en dire plus parce que secret professionnel. Secret professionnel, voilà, c'est ça. Okay. Demande-lui sans avoir les détails si c'était. Quand est-ce que elle est cliente chez vous depuis longtemps ou... Non, on s'était vu il y a 3 semaines et puis encore il y a 1 semaine, voilà. Et ça, enfin la procédure avancée d'un bon pas. Je pense que c'est public parce que, enfin je peux vous le dire parce qu'il y allait avoir une procédure de divorce effectivement dans 1 mois maximum. D'accord. C'était à l'amiable. Ouais, c'est négocier un petit peu pour voir l'état du mari à peu près. Ouais. Est-ce que elle était en, enfin ça se passait comment par rapport à la relation? Bah vous savez quand vous demandez le divorce. Non mais je veux dire c'est plutôt quelque chose qui est consenti des deux côtés. Un bagarre, c'était. Je peux pas vous le dire. Non, mais là, quand même. Essaye de pointer quand même, parce que là, c'est peut-être un homicide. Donc... Bah, quel levier tu utilises? Bah, les relations. Non, la compétence relation, ça te permet de trouver des relations. Ce mec-là, tu le connais. Mais sinon, tu peux intimider ou être sympa ou mentir, convaincre également, tu vois. Mentir, convaincre, il y a le plus. Mais il faut me trouver un mensonge. Moi, je sais pas du tout mentir. Donc... Non, mais moi, je peux être sympathique, mais j'ai réussi à me chier dessus en étant sympathique. Mais non, mais je peux utiliser... Ah oui, perception, non, ça sert à rien. La psychologie, j'ai 70 en psychologie. En psychologie, ça te permet d'interpréter les réponses des gens. Il faut un mentir-convaincre. Bon, bah, mais alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme mensonge? Qui est bon en mentir-convaincre? Parce que moi, comme d'hab, j'ai 10. J'ai à 35. Ah, mais il n'y a même pas besoin de mentir. Plus, il y a juste à convaincre, en fait. Oui, mais c'est les deux. Mais t'as combien? Moi, je suis à 55. T'as combien, toi, Santiago? Moi, je suis à 10. Il n'y a que toi. Ah, je suis à 35 aussi. Ouais. Non, mais là, j'essaie de convaincre Justine Sunny Nuts de l'importance quand même de ces infos. Mais donc, parce que c'est une affaire criminelle. Vas-y, lance et se fait moins de 55. Ah bah, c'est 54. Bon, écoutez, ça m'embête un peu, mais je comprends que c'est une affaire criminelle. Merci, ouais. C'est entre nous, vous ne direz pas que je dévoile ce type dessus. Ça se passait pas très bien. Il y avait des questions de légère violence conjugale et de fortes tensions et des enjeux financiers. Donc, effectivement, moi, c'était un client dont je suis attristé de la perte. Rappelez-moi, quand est-ce qu'elle est venue vous voir? C'est une triste histoire. Il y a 3 semaines, puis il y a 1 semaine, on s'est vu. Okay, donc il y a 3 semaines, la cliente vient vous voir. 3 semaines plus tard, elle saute d'un pont autoroutier. Bah, elle meurt au bord d'un pont autoroutier. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble un petit peu... Je suis avocat, pas policier. Okay. Non mais, par rapport... Là, j'en appelle vraiment à votre intuition. Vous pensez qu'elle s'est suicidée? Je sais pas. Est-ce que vous, la dernière fois que vous l'avez vue, vous aviez devant vous une personne suicidaire? Au contraire, elle est en train de refaire sa vie. Voilà, donc ok. Oui, donc elle n'avait pas de pensée suicidaire, a priori. Ok, merci. Alors, Petit Ping arrive, parce qu'il fait beaucoup de choses, avec Percastor derrière, qui porte un jogging de l'Olympique d'Aria. Monsieur Castor. Il est plutôt furieux. Venu droit au bus, monsieur Percastor. Quand même, déjà c'était un match. En plus, je sais pas si vous avez le droit de faire ça, de me prendre de chez moi comme ça. Je vous ai même pas donné de. Je vous présente l'inspecteur Romanoff. Comment vous osez vous adresser à nous de cette façon? On est en train d'enquêter sur une enquête criminelle. Vous êtes en train de faire obstruction à la justice. J'ai d'intimidé. Allez, vas-y. Ah, elle a déjà gagné. 94. Alors, il baisse pas du tout les yeux, il gifle. Quoi? Oui, il dit gifle, il dit c'est un scandale et moi je vais appeler mes avocats et vous allez voir qu'on peut pas traiter un honnête citoyen d'Aria de cette façon-là. Attends, il a giflé un officier de police? Eh oui, et alors moi j'ai pas peur. Vous venez chez moi sans aucune raison, vous m'enlevez Et ensuite, là, je peux leur mettre un peu. Vous m'avez sous un pont louche et en plus, vous essayez de me faire peur. C'est quoi ça? Moi, je crois à la police et je crois au système. Donc, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça et je porterai plainte. Tu vas croire à la force de mes points, ouais. Tu veux le frapper? Sinon, on fait bon flic, mauvais flic. Est-ce que tu veux faire bon flic pour... Non, mais je peux pas. C'est quoi bon flic, mauvais flic? Je sais pas. Bon, bah, mauvais flic, c'est ça. D'accord. Bon flic, bah, c'est pas ça. D'accord. Moi, je vais être un bon flic, en tout cas, dans la vie. Enfin, j'ai des relations respectables, mais je pense pas que ce soit ça. On pourrait quand même, au moins, je sais pas, l'immobiliser et le plaquer quelque part. Non, mais là, il y a... J'ai fait un officier de police, ça. Normalement, j'ai fait un officier de police, t'es déjà avec une clé de bras. Bah, déjà, c'est menottes si tu veux. Bon, très bien. Vas-y, on va essayer mauvais flic, bon flic. En fait, à la fin, l'échec critique sera un intimidé. Donc le mec, non seulement il est pas intimidé, mais il vous prend pour des nuls, quoi. Vas-y. Moi, je vais le rassurer pendant que tu lui fais une clé de bras. Alors, 64. Tu as 80. Alors, Romanoff fait une clé de bras. Ouais, c'est bon, 84. Moi aussi, j'ai eu peur. Il s'appelle comment? Il fait une clé de bras à Percastor sur la Mitsubishi. Et il commence à avoir mal. Doucement avec la peinture. Alors, moi, j'arrive et je fais le bon flic. T'inquiète, je pousse à le bonheur. Ça tombe bien, je suis un bon flic, je vais être sympathique. Allume-lui la télé. Donc, pendant qu'il a la tête écrasée contre le capot, je me penche comme ça et je dis écoutez, monsieur Castor, moi, tout ce que je veux. Je vais essayer de raisonner mon collègue Romanoff. C'est québécois. Écoutez. Vous êtes des cinglés. Nous, on connaît pas bien le football aux Trois-Rivières, mais je peux vous remettre la télé dans notre voiture et tranquillement, je vous laisse regarder le match. Il n'y a pas de télé dans votre voiture, je pense. Non, mais la radio. Vous pouvez mettre la radio, c'est mieux que ça. C'est la nuit au poste. D'accord. Ah. Ok, d'accord. C'est pas la peine de lancer un jet de... Il accepte. Okay. Par contre, oublie pas de lui demander quand même les clés pour ouvrir. Oui, alors du coup, par contre, on a besoin absolument de voir vos vidéos. Je vous donne les clés, mais je vais ouvrir, je vais vous montrer, je vais pas vous laisser faire n'importe quoi dans mon entreprise. Super, merci. Alors, vous rentrez dans l'entreprise. Plus, Percastor qui reprend un peu sa contenance, vous explique ses derniers modèles de robinet. Et vous allez dans son petit bureau où se trouve effectivement son interface visuelle, télévisuelle même, avec des magnétoscopes. Waouh! C'est high-tech, hein. Et des caméras mais noires et blancs qui montrent l'extérieur. Donc il y a une caméra, effectivement, la caméra en question. Et vous commencez à voir le film suivant. Donc, vous voyez le pont routier. Vous voyez un homme en skateboard avec un sweat à capuche avancer doucement sur le pont routier. Ok. Une voiture arrive. Là, la scène est confuse. Il faut voir que vous voyez la scène en petit dans un coin. Mais en tout cas, la voiture touche le skateboarder. Ok. L'homme en skate... Alors, le conducteur de la voiture, qui se trouve être une femme, sort de la voiture pour voir ce qui s'est passé. Okay. Le skateboarder se relève. Il attrape la femme et il la pousse par-dessus le pont. Quoi? Oh, attends, du coup, ça change tout ce qu'on a. Quelqu'un peut-il me faire un jet de perception? Oui, moi j'ai 80. C'est pour toi. Allez, Santiago. Parce qu'on enchaîne des... Ouais, oh, j'ai peur à chaque fois, là. J'ai peur à chaque fois. En tout petit, l'œil d'aigle de Santiago voit que le sac tombe, effectivement, mais pas du tout à côté de la tente, mais vraiment à côté d'elle. On s'en doutait. L'homme au sweat à capuche, dont vous ne voyez pas le visage, regarde la victime 30 secondes au sol sans bouger. Il la regarde. Est-ce qu'on peut zoomer sur le... Non, vous ne voyez à peine des... Un camion arrive avec marqué quelque chose écrit dessus. On peut zoomer? On peut pas voir. Genre on peut faire enhance comme on fait au Canada? Alors, il faudrait que le Canada fasse un jet de perception à nouveau. Ah là, c'est moi. Santiago peut le faire. C'est Santiago la perception. Je suis nul en tout sauf pour être poli, donc... Très bien, c'est réussi, 49. Alors, il y a marqué dessus le Mezze de Beyrouth. Ah bah, le Mezze de Beyrouth. Ouh, ça doit être bon, ça, non? Désolé, j'ai très faim. Le camion ralentit quand il voit la scène. Oui, toujours. L'homme au skate repart en skate, mais on dirait que le camion le suit discrètement. Il suit le skateur? Oui. Ok. Ça vous dirait pas d'aller manger au Mezze de Beyrouth? Bien sûr. Quelqu'un peut-il faire un jet d'intuition? Intuition, 50, c'est la meilleure. 70. 70, je les trouve pas. 40. Ok. T'as de l'intuition, toi? Moi, j'ai rien, j'ai juste la politesse. 55, c'est réussi. Si. Alors, normalement, la scène est arrêtée, mais Reynolds qui dit « Attends, vous attendez encore une minute. » Et là, vous voyez le SDF qui sort de sa tente et qui prend le sac. D'accord. Et c'est terminé, mais à nouveau, Reynolds dit... Patience. On le regarde jusqu'à notre arrivée. Au moins. Et là, effectivement, vous voyez que quelqu'un, vous n'allez pas voir quoi, s'approche de la voiture qui est restée là-haut. Il tourne autour. Voilà. Il voit qu'il y a les clés sur le contact. Il se met dans la voiture et il part. Okay. Donc c'est pas le mari? On ne sait rien. À moins que le mari soit le skateur. Il était avec une capuche, oui. Ouais. Non mais comment ça se fait que... En fait, est-ce que sur la vidéo, la voiture a touché sans faire exprès le skater? La scène est confuse. Peut-être que le skater a fait exprès de se faire toucher, par contre. Oui, voilà, en fait, la question, c'est est-ce que le skater, genre, de là, on voit pas, peut-être qu'elle conduisait, elle a vu son mari au bord de la route, elle s'est arrêtée. On peut demander des caméras de surveillance du trafic. Maintenant qu'on est sûr... Oh, il n'y avait pas de caméra sur sur les grands actes. Non, non, ah, bah ça c'est dommage, je pourrais faire. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos à regarder, d'autres archives, des choses qui pourraient nous intéresser? Vous avez réussi tous vos jets, donc... il faudrait qu'on lance un avis de recherche pour la voiture. Mais alors du coup, on n'avait pas retrouvé des clés de voiture dans le sac de la dame? Non. C'est des clés de la maison sûrement. Clés de la maison, des clés. Ah oui, c'est des clés. Ok. Clés de la maison. Alors, c'est intéressant que... J'offre un donut à Percastor. Ça suffit. Il le prend, il s'en fout un peu. Mais bon, en tout cas, il s'est mis devant la télé, il regarde la fin de son match dans son bureau. Vous faites un petit point avec le commissaire Morlock. Mm. Et le commissaire Morlock a dit alors, quelqu'un peut-il me résumer la scène? C'est un suicide? C'est pas un suicide. Absolument pas. C'est un meurtre. On part sur un meurtre. C'est un suicide assisté. Et donc, vous avez une idée de qui est le meurtrier? On a trois personnes. Mais il y a des pistes à suivre. Ouais. Bah, du coup, c'est pas le SDF. Non, on voit bien que le SDF, il est arrivé après la chute, donc c'est pas lui. On sait juste que c'est un homme en skate, en skateboard, dont on ne connaît pas l'identité, qui était déjà sur le pont avant qu'elle arrive en fait. C'est quoi votre prochaine étape? Alors il y a deux. Il y avait quand même quelqu'un qui l'attendait. Hein. Mais en fait, on ne sait pas si quelqu'un l'attendait. Et ça peut, effectivement, peut-être que quelqu'un l'attendait, qu'elle avait rendez-vous là, on ne sait pas. Ouais. On sait juste qu'il y a quelqu'un avec un skateboard. Bah, elle est quand même rentrée dans le skateboard. Parce qu'en fait, oui, mais est-ce qu'il n'a pas fait exprès de se faire rentrer dedans pour qu'elle sorte de la voiture et que, du coup, il puisse la jeter? Parce que je comprends que tu es un peu le seum de te faire renverser, mais de là, jeter une personne d'un pont. Surtout, qu'est-ce que tu fais en skateboard sur un pont autoroutier? Non, mais surtout, tu après, il a regardé pendant 30 secondes en bas, très calmement, sans bouger, et après, il est reparti tranquillement. Non, d'en haut. Non, on est d'accord. Et le camion qui est passé aussi a regardé... Non, il s'est juste arrêté, il a vu que la scène était étrange, mais peut-être qu'il l'a vu de plus loin. Donc il a vu la scène lorsqu'il y avait le skater et... Donc on a deux pistes. Il faut retrouver le chauffeur du camion du Mezze de Beyrouth et il faut aller avertir... Quoi qu'il arrive, il faut aller avertir le mari, même si on ne sait pas si c'est le mari ou pas qui était le skater. Ouais. Bah, le mari, on comptait y aller de toute façon. Donc quelle est votre prochaine étape? On choisit quoi, entre le mari ou alors le Mezze de Beyrouth? Moi, je suspecte le mari, donc j'aimerais bien l'avertir au dernier moment de mari. Enfin, plus tard. Ouais. J'ai peur qu'en fait, si on avertisse le mari... On peut aller au Mezze, effectivement. Allez, de toute façon, c'est sur la route. Alors, il y a peut-être un truc à faire, c'est de savoir si Stéphanie était sur le trajet domicile, travail ou un lieu... Ah oui, oui. Est-ce qu'elle était sur un trajet? Ou est-ce qu'elle avait rendez-vous ici? Si, par exemple, la personne l'attendait... Oui, c'est vrai. Alors, mais cette hypothèse, vous regardez un plan et avec l'aide de Reynolds qui connaît bien la ville, effectivement, elle était sur son trajet entre le retour à la maison et le tribunal. D'accord, donc un trajet habituel. D'accord. Donc elle n'avait pas rendez-vous. Enfin, donc elle rentrait chez elle. Vous demandez à 5Q, au central, de vous donner l'emplacement du Mezze de Beyrouth. Et vous partez en voiture au Mezze de Beyrouth. Donc vous stoppez votre véhicule. J'ai hâte de goûter les Mezze d'Aria. Devant un restaurant à la vitrine éclairée mais vide. On est au nord du quartier des plaisirs, presque à côté des taudis, et presque sous la grande route encore qui trace la ville sur un pont. C'est pas très touristique. Okay. Alors, y a un menu à l'extérieur. Vous voulez que je vous le dise ou pas? Oui. Alors, poulet grillé à l'ail, 80 francs. Assortiment de 3 brochettes, 90 francs. Ils sont pas chers. Poulet, oh non, c'est pas cher. Poulet en brochette marinée dans l'ail et citron, 85 francs. Shawarma poulet, 80 francs. Vous voulez vraiment 80 francs shawarma? Bah, ça fait quoi? Vous voulez manger là? Non. Moi, je veux bien goûter le troisième. On continue l'enquête. On va pas sérieusement manger sur un lieu dans les policiers. Je dirais qu'il faudrait pas débarquer. C'est qu'il y ait une partie de l'équipe qui rentre par la porte de devant et puis que les plus costauds se mettent sur la porte de service au cas où quelqu'un essaierait de se barrer alors que nous, on se présente. Ok. Ouais, c'est vrai ça. Donc Romanoff et Reynolds, vous allez derrière, j'imagine? Non, Santiago, tu... en relation, vaut mieux qu'on y aille toutes les deux. Okay. Pour aller derrière? Moi je prendrais bien. Non, Romanoff et le stagiaire derrière. Allez, tu vas pas te battre? C'est quoi l'idée? Vous faites quoi? Vous avez passé pas. Santiago et moi en fait, on rentre dans le restaurant, on demande à parler au patron. Et le stagiaire. Et en fait, comme on connaît la nature humaine, on met le stagiaire et Romanoff à l'arrière, à côté de la porte de service, au cas où quelqu'un essaierait subtilement de se faire la malle. Romanoff et Saint-Lec font le tour du restaurant. Et est-ce que quelqu'un peut me faire un jet d'intuition? L'un de vous deux. J'ai 40. Je pense que vous avez mieux que moi, Romanoff, quoi qu'il arrive. Hein, donc, en intuition, j'ai combien? 50. J'ai 50. Allez, vas-y, mon champion. C'est la chance des débutants. Un seul jet d'intuition. Oh là, je me permets. Tout repose sur toi. Hein. Tu rates pas le stagiaire. Guy de Saint-Lec. Le stagiaire. 73. Ah, regarde-moi ça. 73. C'est dur d'être policier, en fait. Alors, t'as l'intuition qu'on doit quand même bien manger et tu te dis, j'ai pas mangé beaucoup de mezze au Québec. Bon. J'espère que Renat va me commander celui au plus grillé. Vous postez à la porte d'arrière. Dernier truc, est-ce qu'il y a le camion dans le coin? Effectivement, il y a le camion d'arrière. Ah, bien derrière, joué, bien ok, joué. Bon. Et si jamais vous entrez, donc Santiago et Reynolds rentrent. Ouais. Vous êtes accueillis par un homme chauve qui s'appelle Aximand. Et il a une barbe et il transpire abondamment. Et au moment où vous rentrez, il tousse une seule fois et brusquement. Voilà. Et il dit une table. C'est un fouette de ouf. Alors on. Est-ce qu'on fait un petit perception? Les deux vieux briscards qui ont mis évidemment l'embrouille. Moi, je pensais qu'il était malade. Est-ce qu'on fait une petite perception un peu pour savoir qui est dans non, mais déjà, il n'y a rien à voir sinon un restaurant. Déjà, on se présente, on sort nos badges. Okay. Police criminelle. Oh, criminel. Oh là là, j'espère qu'il ne se passe pas des choses graves dans le coin. Ah, j'espère, moi non, aussi. Mais juste que tout va bien. Ça va, les affaires marchent bien. Bah, vous voyez, le restaurant est vide et c'est pas un très bon emplacement, je trouve. Ouais. Oui. Vous aviez des livraisons récemment? En fait, je fais moi-même mes propres livraisons. Avec quoi? Avec un camion? Oui, le camion qui est derrière. D'accord. Et vous avez livré cet après-midi? Je vais pas livrer, je suis en fin de journée, juste à mon ouverture du restaurant, je vais chercher de la marchandise au marché et je la ramène ici, marché de gros. Et du coup, vous passiez par le pont autoroutier là qui est sur place? Je passe par le pont autoroutier, tout à fait. Uh-huh. Okay. Intéressant. Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là? Alors, parce que justement, en parlant de pont. Ouais, vous avez rien constaté d'anormal pendant votre trajet quotidien? Avant que je vous réponde, pourquoi vous posez des questions comme ça? Curiosité policière. C'est bizarre, pourquoi vous êtes venu dans mon restaurant pour voir? Non, plutôt disons, il y a eu un incident dans le quartier. On a regardé les caméras de surveillance et on a regardé toutes les voitures qui passaient et on a besoin d'informations. Il transpire vraiment abondamment. Est-ce que tu peux me faire un jet de être sympathique? Oui. Putain, pourquoi je suis pas là quand on a besoin de moi? Tu peux être sympathique avec le gars qui va sortir. 71? C'est raté. Alors, il dit, écoutez, je crois que j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est-à-dire? Bougez pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Avant ça, il n'y a pas de problème. Hein. On peut avoir juste les informations tranquillement, on a juste besoin de savoir si vous avez vu quelque chose sur le pont. Non, on n'est pas là avec Romanoff. Pas de problème. Pas de problème? Pas de problème. Pas de problème. J'ai cherché quelque chose dans la pièce de derrière. Ok. Ah, bon, on s'est mis derrière. On peut t'accompagner? Non, Santiago. Prenez une table. Il est quand même maître dans sa maison. Santiago. Quelques minutes plus tard, vous voyez Aximand sortir à toute vitesse par la porte de derrière. Est-ce que tu veux faire un jet de réflexe pour l'intercepter? Réflexe. Réflexe ou quoi? Non, réflexe, c'est mieux. Réflexe déjà parce que vous êtes en train de discuter. Vous n'attendez pas quelqu'un qui sort en courant. Et la porte s'ouvre du coup? Oui. Mais non, mais nous on discutait pas à la base. Si on était à l'arrière, on attendait à l'arrière quoi. Okay. Oui. Moi ça m'étonne que ça ait marché du coup, c'est tellement... 15. Allez, et fais-moi un jet en combat corps à corps et tu me dis ce que tu veux faire. Tu veux l'attraper? Tu veux lui donner un coup de poing? Alors attends, combat corps à corps? Tu peux éviter de le tuer tout de suite? Sortir la canne. Combat corps à corps, c'est tabassé, c'est ça? Oui, tabassé. On se met bien d'accord. Une belle vas-y, doucement. Capacité. 38, c'est réussi. Eh bien, tu l'attrapes par les épaules et tu le mets par terre. Hop là. Donc là. Tu peux lui mettre les menottes. Moi, je suis un peu impressionné. Ah ouais. Oui, effectivement. Nous, on sentait quand même l'escroquerie, donc en fait, on est passé derrière le comptoir. Ouais. Et derrière le comptoir. Non, il n'y a pas la porte de service. D'abord, il y a une pièce avec 6 personnes. Vous ouvrez la porte. Et vous vous trouvez dans un atelier clandestin, 6 femmes d'origine asiatique qui travaillent sur des machines à coudre, dans une pièce sans fenêtre, avec une porte au fond, il y a des lits de camp. Vous allez trouver un atelier clandestin. Okay. Un sweatshop. Parfait. Alors... Et vous avez intercepté une très longue course-poursuite que j'avais écrite, mais tant pis. Voilà. Aximand, il dit, écoutez, je suis désolé, je connais pas ces personnes, je les héberge, voilà. Santiago, tu prends les dépositions des gens qui sont là. Bah oui, je vais m'en occuper, je vais être sympathique déjà. Alors, je vais à la radio, moi, pour prévenir 5Q, pour qu'ils ramènent un petit panier à salade, un truc, quoi, quelque chose. Est-ce qu'on pourrait pas aller fouiller le camion? Ah bah, on va le faire, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais après, il faut l'interroger lui, parce que si c'était lui le chauffeur, c'est lui qui avait le skater. Ouais. Donc on peut aussi peut-être négocier avec lui, genre... On a rien vu. Est-ce qu'on devrait pas l'intimider un peu, en mode... on peut essayer d'être sympa avec toi sur l'atelier clandestin, mais du coup, t'as intérêt à parler sur ce que t'as vu. Ouais, bon. Ouais, c'est pas con ça. Moi, je suis plutôt d'accord avec Romanoff. Je sais que c'est pas exactement. Alors, ça, c'est plutôt être sympa, je trouve. Ah, ouais, bah, c'est plutôt. Je le menace là. Je lui ai dit, écoute, ou bien on va vraiment te déglinguer sur ton atelier clandestin, ou bien tu parles. Sous condition. Vas-y. Sous condition. Bien sûr. J'ai dit, être sympa. Je vais aller voir quand même ces personnes qui travaillent de manière clandestinement. Pour savoir s'il est plutôt réglo. Ouais, si c'est déjà souillé. Bah déjà, si c'est clandestin, bah, si c'est clandestin, c'est moyen réglo. Oui, mais s'il n'y a pas des choses qui pourraient aggraver la situation, quoi. Alors, je fais une parenthèse. C'est pas votre affaire de ce soir, mais vous avez démantelé un atelier clandestin. C'est une performance. Vous serez récompensé ce soir. Donc, le commissaire Morlock vous félicite. Vous dit, eh ben, donc, Reynolds. Toutes ces années à rien faire et finalement un coup d'éclat devant un stagiaire, pas mal. Ah, Morlock. C'est pour rien, hein, c'est Romanoff et Saint-Flac là qui. Saint-Lec, Guy de Saint-Lec, les Trois-Rivières. Qui ont chopé le mec. Hein. Et pendant l'instant, Romanoff attendrit donc Aximand, vas-y, lance les dés. Je l'attendrai bien. Comme de la viande. Comme la viande, ouais, c'est sa viande que je l'attendrai. Alors il dit, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'aimerais bien que vous m'appreniez à faire des jets de dés d'officier senior, là, parce que moi, c'est pas facile d'être. Alors, on l'interroge sur quoi? Sur ce qu'il a vu réellement? Ah, bah oui. Alors, parce qu'en fait, il s'est arrêté, après, sur la vidéo, il suit le skater, en fait. Il le dépasse pas, en fait. Alors, quand il comprend que vous êtes là pour ça, il s'en veut beaucoup. Il dit, j'aurais dû tout vous dire, en fait. J'étais sur ce pont, et je vois un mec qui balance une femme par-dessus le pont, et c'était flou, je comprends pas. Alors, je me ralentis un peu, je me dis, est-ce que j'appelle la police? Parce que moi, je suis un mec honnête, en fait. Oui, on voit ça. Et le mec repart en skate. Et sans parler de la police, quoi, il a l'air super suspect. Je le suis tout doucement. Et à un moment, il est rentré dans un magasin. Je suis allé en face, il y a une cabine téléphonique. J'ai appelé les flics. Et on m'a dit de dire mon nom, tout ça, ça me gênait pour diverses raisons. Du coup, bah, j'ai rien dit, j'ai dit, allez vous faire foutre. C'est quel magasin? C'est le magasin d'électronique qui s'appelle Click Click. Click Click. Voilà. Et si on concorde avec l'appel qu'a reçu Ping, c'est un peu, c'est ça, c'est un homme qui l'a appelé, qui l'a averti. Il faut bien qu'on fact-check les infos parce que. Donc l'appel qu'a reçu Petit Ping, c'est peut-être ça venait de Aximand. Alors, si tu fais le croisement effectivement avec la source de l'appel et c'est bien la cabine téléphonique en face du magasin d'électronique Click Click. Bon. Donc il faut qu'on aille chez Click Click. Eh oui. C'est ouvert Click Click? Oh bah puis on va l'ouvrir. Alors c'est le moment, si vous voulez, je vous le dis en tant que maître de jeu, d'aller au restaurant. Ah. Ok. Bah écoute, on est sur place. Non, le mec il va partir en prison. Alors, je vous dis, il peut pas nous faire un petit poulet gris, ça veut dire. Alors, moi je mange que de la poutine. Vous pouvez pas manger ici parce que le mec il est en train de partir au poste. Par contre, vous avez le choix entre un gastronomique, un chinois, un italien, un indien, un McDo ou un kebab. Attention à ce que tu vas choisir. Écoutez, moi je viens d'Amérique du Nord, donc on va pas se faire un McDo, ça je vous préviens tout de suite. Il y a quoi près de Click Click? Ouais, près de Click Click, il y a quoi comme restaurant? Il y a l'italien, la Mama d'Aria. Ah, bah moi j'étais parti pour l'italien. On pourrait peut-être se poser sur une table près des fenêtres et puis regarder. Allons à la Mama d'Aria, et lui pimenter, c'est on the house. C'est ça, ouais. Donc, pas loin. Bon, c'est un restaurant italien, j'ai pas fait de description particulière. Alors, on vous sert des pâtes bolognaises. Alors. Non, vous avez le choix entre pâte bolognaise, escalope milanaise ou la pizza du jour, c'est une pizza aux artichauts. Je sais pas si vous... Oh non. Il n'y a même pas de carbonara. Qu'est-ce que c'est que ces Italiens? Il y a qu'une seule pizza du jour, mais elle est très bonne. Moi, je prends la pizza du jour. Pizza aux artichauts pour Santiago. Je vais prendre les pâtes. Escalope milanaise. Ah, les pâtes aussi. Ok, très bien, on vous sert les pâtes. Alors, il y a une télé. C'est une pizzeria avec une télé pour voir les matchs de foot, mais ils ne passent pas le match de foot parce qu'il n'y a pas de match italien. Ah. Ces équipes, on va dire, non italiennes. Mais il y a une émission qui s'appelle Droit de réponse par Michel Pollack, ça clope un peu. Et donc il y a Jean Edernalier de droite et Michel Fil de gauche qui débattent sur le sujet de la prison. D'accord. Et donc il y en a un qui dit on a besoin de prison. Le crime augmente et on relâche les criminels parce qu'il n'y a pas de place en prison. Et l'autre répond oui, mais une étude montre qu'une peine de prison entraîne la radicalisation des prisonniers et parfois la récidive. Et donc ils se débattent sur est-ce qu'il faut plus de prison ou au contraire il faut d'autres systèmes. Et vous, en tant que flic, ça vous interpelle. Donc je vous propose de débattre, de donner votre avis là-dessus, si vous voulez, ou pas. Et j'invite aussi les subbers et même ceux qui nous écoutent, les gens qui nous écoutent en podcast ou regardent sur YouTube, à en discuter. Est-ce que la prison, c'est un bon système, c'est un mauvais système? Vous avez 2 minutes. Il faut être puni pour les crimes qu'on commet. On ne peut pas laisser les gens... Donc la prison, c'est important. La punition, c'est important. Oui. Alors moi, je vous avoue que je viens du Canada. En fait, nos prisons sont vides au Canada. Il n'y a pas de crime. Elles sont ouvertes, en fait. J'ai dû aller à l'étranger pour voir un peu comment ça se passait. C'est en fait. Il n'y a pas de crime au Canada, en fait. Ben non, c'est pour ça que j'étais un peu au chômage technique là-bas en sortant de l'école. C'est pour ça que je suis venu à Aria pour voir comment ça marche, le crime et les prisons. Mais c'est vrai qu'en général, les prisonniers récidivent la plupart du temps. Donc peut-être un système de rééducation pour être plus gentil, poli. Un avis, Reynolds? Est-ce qu'il ne récidive pas? Moi, vous savez, je suis à 2 mois de la retraite. Passer toute ma carrière à mettre des gens en prison. Ah bon, on m'a dit que vous avez rien fait, moi. Hein? C'est Morlock qui a dit ça. Non, mais il faut pas écouter Morlock. D'accord, okay. Il n'était pas là au départ, lui. Un avis, Santiago? Je dirais que jusque-là, on n'a pas un taux de criminalité qui augmente. On est plutôt stable, donc les prisons sont utiles pour l'instant. Et il y a une bonne politique de réintégration. Il faudrait pas des prisons plus pédagogiques, par exemple, d'enfermer des gens ouvertes, par exemple. Sans... Bah non, mais des trucs pour des gens qui sont très jeunes, à la limite, pourquoi pas. Bah mais ouais. Pour des gens qui sont déjà un peu plus âgés, je pense pas que juste de la pédagogie, ça suffira forcément. Non. Ah, est-ce que les gens ne récidivent pas aussi parce que de base, ces gens-là ont un problème psychologique? Oh, génétique même, Romanoff, faut pas excuser ça par comportement. Ceux qui récidivent, je pense que c'est des gens qui, de base, sont un petit peu flingués psychologiquement initialement. Enfin. Donc si on t'envoie en prison alors que t'es un criminel raté, t'as quand même de grandes chances de rester un criminel et de t'endurcir. Est-ce que ne pensez-vous pas que la prison augmente la récidive? Ah, c'est la télé qui nous parle, là, direct? Non. moi, je pense que la prison augmente la récidive. La plupart des gens qui ressortent de prison, ils ne sont pas ressortis en disant « Ah, bah, ma vie a changé, je vais être un gars bien ». Ouais, mais t'as pas peur d'y retourner, justement? Bah non, parce que la plupart des gens, ils y retournent à gogo, en fait. Non, justement, enfin, ils veulent absolument pas y retourner, donc ils se durcissent. Ouais. Oui, bah du coup ils font des crimes encore plus graves. Ouais. Et vous finissez votre pizza, vos pâtes et votre escalope sur ce débat qui peut-être durera après l'émission, on verra si on termine avant. Et vous prenez votre voiture et vous allez au 18... Non. La pizza était pas loin du club. Pas loin, mais il y a quand même 2 rues, 18 rue de la Puerta. Magasin d'électronique. Magasin d'électronique, Click Click. Vous n'y êtes pas encore dedans, rassurez-vous. Votre véhicule s'arrête dans une rue de la Petite Algérie, donc un petit endroit entre les 2 bras du fleuve, où les maisons sont blanches et carrées, les magasins sont vides et éteints, sauf pour le magasin Click Click. Dans la vitre, des télévisions allumées passent le match Auxerre-Aria. Quelques passants s'y intéressent. Le magasin indique vente d'électronique 24/7. Est-ce qu'on peut faire comme tout à l'heure? Je peux aller derrière encore? Attends, est-ce qu'on peut pas déjà commencer par observer dans la voiture, voir un peu le passage, voir les clients qui rentrent, bizarre, combien de clients à l'intérieur? Je surligne en orange fluo toutes les techniques intéressantes qu'on m'apprend. Combien de personnes derrière le... J'ai de perception. Le comptoir 75. C'est raté, non? Non, c'est sur 80. Ah, bravo. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire puisque tu viens de faire un jet quand même médiocre, mais tu t'aperçois que le 20 rue de la Puerta, donc la porte qui est à côté, elle est condamnée. Donc au 20, ça, la boutique est au 18 et le 20, la porte est condamnée. Tiens. C'est bruit de la sonnerie de la sonnette de la porte. Donc ça a suggéré que peut-être qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Entre les deux de la boutique. Oui. Okay. Alors que pourtant, c'est une heure qui va acheter de l'électronique la nuit. Il y a des mecs avec des hoodies, ils sont plutôt comment ces gens? En fait, il y a des pères de famille et il y a aussi des adolescents. Oh, ça fouette. Un magasin d'électronique ouvert 24/7 avec des pères de famille et des adolescents, qui rentrent et qui sortent. Écoutez. Il y a une porte de service. Alors, du coup, peut-être la porte condamnée, c'est une pseudo-porte de service pour qu'on puisse soit rentré. Mais elle est condamnée comment? Elle est bétonnée ou... Non, elle a été clouée. Il y a marqué « Attention, danger ». Est-ce qu'on peut demander à 5Q s'il est au courant, il interroge le cadastre en temps réel? Non. Non, ça va, vous êtes fous, quoi. On peut demander ce qu'il y avait avant, peut-être? Je sais pas. Ouais, peut-être. À l'emplacement du vin, on peut savoir dans les archives. Est-ce que moi, je peux faire jouer mes relations louches et mon intuition habituelle pour voir... Fais-toi passer pour un père de famille. Alors, toi, avec ton bon sens, effectivement, de paysan, de père de famille, tu vois cette porte condamnée, tu dis simplement, bah non, c'est l'immeuble qui est vétuste. Voilà. Voilà ta conclusion. Merci beaucoup, du coup. Super. Non, mais il y a quand même des agissements bizarres. Je veux dire, des adolescents et des pères de famille qui rentrent et qui sortent d'un magasin d'électronique. Et d'ailleurs, ils ressortent parfois déçus. Alors... Une idée. Est-ce qu'on voit certaines personnes ressortir avec du matériel, avec des achats quelconques? Personne n'achète. Après, c'est pas genre les gens rentrent pas genre 4 par minute, tu vois. Il y a le temps que vous attendez. Oui, mais si on voit quelques personnes passer et que personne n'achète, il y a quand même un souci quelque part, quoi. Alors, je suggère un truc. Alors, il y a 2 options. Soit tu joues le père de famille. Ah ouais. Voilà. Soit, c'est ton premier jour, donc ça serait... Moi, je peux jouer l'ado. Tu peux jouer l'ado, mais c'est vrai que déontologiquement, j'ai pas envie de l'embarquer dans... déontologiquement, il est majeur et il est officier. Oui. Tu peux jouer l'adolescent. Tu vas en tant qu'ado ou... Est-ce que j'ai le droit d'avoir un mouchard comme les pros? Non, c'est pas ça. Moi, j'aurais plutôt dit qu'on t'envoie toi, du coup, avec tes relations. Il y a peut-être moyen que tu identifies quelqu'un, ou bien quelqu'un de louche, ou bien au contraire, plutôt quelqu'un de louche. J'y vais en tant que Lester. Ou j'y vais en tant que... en tant que daron, Malcolm McCrinkle, père de famille respectable. Non, non, le petit père de famille, justement, tu vas voir si tu arrives à reconnaître des gens. Il n'est pas trop connu, justement. S'il y a des gens chelous, ils vont le voir arriver. C'est ouais, mais s'il a des contacts dans les gens chelous, c'est pas étonnant non plus. Que des hommes qui rentrent ou c'est mixte? Non, c'est des hommes. Bah, tu peux jouer un peu le vieux policier qui va à la retraite et qui a des mœurs un peu légères. Écoute, j'essaie d'y aller, je resserre un peu ma cravate. Très belle cravate au marbre. Alors tu rentres dans le magasin Click Click. Ça vient de la Nouvelle-Orléans. Qui est tenu par Tyler Stringers L. Ah ouais. Tyler, déjà il fait peur. Lui. Alors, il dit bienvenue nouveau client, puisque je ne vous ai jamais vu avant. Alors, j'espère que vous venez pour les baladeurs cassettes ou les magnétoscopes, parce que je vous avertis. Comme je l'ai dit à tous les gens qui sont rentrés ce soir, les Super NES, je les vends à minuit, pas avant. Ah, on est le jour de la sortie de la... Exactement. Pour 1290 francs, une Super NES avec Super Mario World et F-Zero. Je peux vous la réserver. Il y a deux manettes? Deux manettes incluses. Vous pouvez jouer à minuit une chez vous, si vous voulez. On peut pas s'arranger un petit peu si je paye, par exemple, 1390 francs pour... Pourquoi? Bah pour l'avoir un peu en avance. Non, je peux pas. Je dis non à tout le monde. Je vais pas dire oui, même pour plus cher. Hein. On est une enquête, sinon. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes en skate qui viennent acheter des consoles ici? En skate, oui, j'ai beaucoup d'ados qui viennent... Enfin, tout le monde veut avoir la console pour y jouer dès ce soir, mais ce sera demain. Et demain, malheureusement, ce sera en rupture de stock, donc c'est pour ça que je pense qu'à minuit, ils vont... Pourquoi le skater, après avoir fait un meurtre, est allé dans ce magasin qui vend des... Petits jeux vidéo, tranquille. Bah, je peux regarder comment il est habillé, Tyler Stringerell. Il est habillé, il a une chemise à carreaux. Une chemise à carreaux. On peut demander jusque-là qui lui a acheté des consoles, parce que si c'est un adolescent qui voulait de la thune, personne. Ou qui a réservé, et qui a fait quelque chose de malhonnête pour avoir de l'argent et acheter sa console. Sinon, tu dis que tu as ton fils, justement, qui voulait essayer d'acheter une console, etc., et tu lui demandes s'il ne l'a pas vu. Tu sais, un petit jeune skater avec un Woody. Ah, bien vu. Ouais, je cherche mon gamin. Il a dû venir il n'y a pas trop longtemps, il est venu en skate, justement. Un skater, je connais un seul skater, c'est quelqu'un qui vit juste au-dessus. Ah ouais? C'est votre fils? Ah bah peut-être que c'est un de ses amis, je sais pas. Parce que vous lui ressemblez pas trop. Vous n'avez pas la même couleur de peau. C'est une remarque raciste. Il a été adopté. C'est votre fils adopté? Non, 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 mais c'est peut-être un ami de mon fils en fait. C'est pour éviter qu'on l'achète deux fois la console, vous comprenez? Si lui vient, l'achète et que moi je veux lui faire une surprise à mon fils. Mais je lui parle jamais, c'est un psychopathe. Donc je pense pas que... Un psychopathe carrément, vous jugez parce qu'il fait du skate, c'est un psychopathe, c'est ça que vous voulez? Voilà, vous m'avez l'air compliqué. Je sais pas si j'ai des consoles pour vous. Est-ce qu'on peut aller taper à la porte? De toute façon, on sait qu'il habite juste au-dessus, donc dans le pire cas. Il est rentré chez lui, en fait. Ouais, je pense. Probable. Écoutez, je reviendrai... vous ouvrez à quelle heure, du coup? Bah, vous fermez pas. Vous ouvrez 24/7. Donc, à minuit une, vous m'en mettez une de côté. Vous voulez un baladeur cassette, 120 francs. Il est comment? Extra plat ou pas? Il est Sony. Bah, super, extra plat ou pas? Auto-reverse ou rien. Il y a l'auto-reverse? Il y a la détection automatique des blancs? Ça n'existe pas encore, l'auto-reverse, mais ça sera l'année prochaine. Prends-le. La VLS, il y a la détection des blancs ou pas? Oh, écoutez, c'est pas ma spécialité. Excusez-moi, je croyais que vous étiez expert en électronique. Non, c'est mon frère Taylor qui le fait, mais moi, Tyler, c'est la nuit. Taylor et Taylor. Ouais, okay. Est-ce qu'on peut vraiment pas le baladeur? Non. Si on monte dans le bâtiment, on a besoin de piles pour faire marcher le baladeur et on va toquer chez ce jeune skater. Bah, l'excuse, c'est peut-être qu'on est... Vas-y, on a de l'argent, on n'a rien dépensé. Il a combien votre baladeur? 120 francs. 120 francs? Ouais. Pour 100 francs, je vous l'achète. C'est garanti un an. Mais vous négociez. Soit vous donnez plus, soit vous donnez moins, vous n'avez jamais payé le bon prix. Commencez par Reynolds. Non, mais je ne vais pas prendre un baladeur. Ouais, mais non, mais par moi, je dépense. Vas-y, moi, je dépense. Je prends un petit baladeur. Mais t'es pas là. Et vous voulez que je laisse un mois votre fils, pour ne pas qu'il passe? Au moins, je pourrais lui parler un peu. Non, ça va. Non, mais dites-lui juste que c'est pas la peine qu'il achète la console, on va l'acheter, nous. D'accord. Voilà. Et puis, si vous voyez des gens avec des sweatshirts à capuche, avec la capuche relevée, vous notez un petit peu leur dégaine générale. Parce qu'il pleut pas, il n'y a pas de raison de mettre une capuche. Vous êtes policier? Pas du tout. Pourquoi vous voulez que je note les gens? Parce que c'est votre métier de commerçant, de savoir s'il n'y a pas des jeunes un peu louches qui viennent avec... Parce que votre produit, là, tout le monde veut l'acheter. Vous voulez un mec louche? Je pense que votre fils est louche. Ah ouais? Oui, je pense. Il n'a jamais parlé, j'ai même vu son visage. Il se cache tout le temps avec son... Il vient souvent dans votre boutique? Il est tout le temps. Non, mais est-ce qu'il vient dans votre boutique? La porte est condamnée, il est obligé de passer par la boutique. Et la porte était condamnée il y a 2 jours. Ah, condamné il y a 2 jours. Oui. Pourquoi? On passe par où? Attendez, mais je... Parce qu'il y a eu, je sais pas, trop d'eau et la porte a gonflé, elle ne s'ouvre plus, quoi. Trop d'eau, ok. Il y a un dégât des eaux. Bah écoutez, je vais rentrer dans mon appartement et puis je repasserai à minuit pour acheter la console. Quel appartement? Bah, celui de mon fils. Le Bijarro. Bah, alors, il te montre la porte à côté. Bah, voilà. C'est pas au-dessus? Bah, il y a un escalier après. Aussi, ouais, okay. Donc tu vas par la porte à côté? Bah oui. Tu laisses tes trois amis dehors? Bah non. Je leur fais un signe parce qu'ils me regardaient. Je peux enfin venir, du coup? Merci. J'arrive. Je leur dis, venez. Un baladeur? Allez, Super NES. Allez, ça fait plaisir. Alors, baladeur à 120, alors j'ai un baladeur à 120 francs, j'ai aussi un magnétoscope à 700 francs. Ah, j'ai pas les moyens, j'ai pas emprunté. Je vous prends le baladeur, donnez-moi une bonne cassette avec? Non, mais par contre, ce casque a vraiment une pureté sans égale. Vous avez quoi comme bonne cassette là à mettre dedans? Bon, j'ai Maldon. Oh bah super, ah, bah, Maldon. Super, j'adore. J'ai aussi, alors attendez, puisque bien que vous me demandiez, parce que j'ai tout un catalogue de cassettes. Ça coûte combien? 120 francs? J'ai Nothing Compares to You. Bon, McFlack. Peut-être pas Guy de Saint-Lec. On n'a pas nos armes de service. Alors, c'est 30 francs la cassette. Ouais, mais on a quand même une arme de service classique, non? Attends. Ok, bah oui, on a un flingue. C'est 30 francs la cassette. J'ai Nothing Compares to You, j'ai Vogue de Madonna, c'est pas mal. Ah bah super, Vogue. Alors, 30 francs de plus. Eh ben, va falloir faire le petit. Ouais, faudrait peut-être y aller. Ok, c'est bon, j'ai mon baladeur qu'il me reste 250 francs. Ok, 250 francs. L'argent de ton stage. T'as acheté un Walkman à 120 francs? Ah non, 150 francs. Tyler, il vous dit, c'est vos amis? C'est la famille. Mais vous allez dans l'appartement du haut? Oui. Bah ouais. Okay. Il est bizarre, lui. Hein. Ouais, ça a l'air louche. Est-ce qu'on laisserait pas un stagiaire? Est-ce qu'on laisserait pas un stagiaire discuter pour être sûr que le mec prend pas un téléphone? Enfin, gentiment. Mais non, mais on le connaît son nom à lui. Oui, c'est Stringers L. Alors moi, je vais rester dans la boutique. Pour tenir la jambe aux commerçants. Voilà, je tape la discute avec lui. Continue à fouiller, choisis les sons que tu veux. Je pense que je fais la son, j'ai Madonna. Alors, l'escalier minable mène et craquant mène à un couloir au papier peint beige. Il y a deux portes dans ce couloir. L'une n'a pas de nom et l'autre, il y a marqué Franck et Margot Nécrobisouze. Est-ce qu'on peut faire une passation pour écouter ce qui se passe un peu? Ah, pas con. Tu peux juste écouter. On peut juste écouter. Alors, qu'est-ce qu'on entend? C'est quoi Nécrobisouze? Tu écoutes à quelle porte? Oui. Putain. Est-ce qu'on part vers la porte sans nom ou la porte sans nom d'abord? Moi, j'aurais plutôt dit le couple en premier. J'avoue que c'est un bon moyen de. On peut dispatcher les oreilles sinon. Oui. D'accord, une oreille sur chaque porte. Alors, rien du côté de la porte sans nom, mais du côté de Franck et Margot Nécrobisouze, tu entends une voix d'homme qui dit: alors comme ça, tu trompes ton mari, espèce de traînée. Et une voix de femme qui dit: non, Franck, ce n'est pas ça, c'est juste un ami. Et ensuite, tu parles, et là, vous entendez des bruits de coups. Bah, on défonce la porte. Ah. Vas-y, jette tabasser. On est obligé. Tabasser la porte. Ah, attends, par contre, attends, c'est-à-dire que s'il y a du bruit de tabassage et compagnie, alors le problème, c'est que il peut avoir un souci. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est trop tard, allez, tabasse la porte. Attends, j'ai pas compris ce que tu dis. Si, en fait, le truc, c'est quand tabasse la porte, louche, on va peut-être faire peur en tant qu'il y a du bruit. Tu défonces la porte ou tu frappes à la porte? En vrai, je devrais juste frapper à la porte. Tabasser la porte, quand même. Frappe à la porte. On va juste frapper. Alors, tu frappes et tu fais quoi? Tu dis quoi? Police? Non, faut pas qu'on fasse peur au mec qui serait éventuellement. De room service. Non, mais moi, en fait, je me mets en. Je laisse Romanoff devant la porte. Et moi, je me mets plutôt contre le mur, à côté de la porte sans nom. Tout va bien, madame? Quelque chose du genre. Alors, silence de l'autre côté. Et ensuite, tu entends la voix de l'homme qui dit. C'est qui? C'est ton ami? C'est la femme de ton amant? Et ensuite, attends, non, Franck, lâche ton arme. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah là, ça dégaine, hein. Ah bah là, moi j'écoute Vogue, je suis dans ma gueule. Ça se passe bien? Allez, il faut se dépêcher, là. Ouais, bon, on va tabasser la porte, écoute. On peut pas non plus laisser quelqu'un se faire tuer à côté de nous, quoi, c'est pas possible. Bah, essaye de l'ouvrir avant de la tabasser, ça se trouve, elle est pas fermée. C'est vrai. La porte est fermée. Allez, on tabasse la porte. Ouh, 23. Je l'ai explosé la porte. D'un gros coup de pied, l'agent Romanoff défonce la porte s'ouvre en grand. Effectivement, Franck tient un fusil en joue Margot. Tu ne peux faire qu'une seule chose et l'homme qui est derrière toi peut faire aussi une seule chose. Qu'est-ce que tu fais? Il est sur le point, il a le doigt sur la gâchette, il va tuer Margot. Ton arme de service? Bah ouais, mon arme de service, mais est-ce que je lui tire dans la jambe ou est-ce que je le bute? Bah, je devrais le buter, non? Oh bah. Je sais pas comment on fait. Allez, on se dépêche, 10 secondes. Tout le monde à terre et 10, tu chopes 9, le flingue. 8. Ouais. Bah, je lui saute dessus pour le plaquer par terre. On plaque la meuf et on se met tous à terre. C'est trop loin, il est trop loin. Mais non, mais on est à la porte. Ah, je lui tire dans la jambe pour l'immobiliser. Ok, vas-y, tire. Allez. Ah bah, il l'a en joue. Bah, déjà, je suis dans la jambe, je suis sympa. Il l'a en joue. 93, c'est raté. Est-ce que l'agent, dernière chance avant qu'il se passe un drame familial. Non, moi je suis pas dans l'encadrement. Ou un féminicide. C'est juste derrière. Tu peux faire quelque chose. Mais c'est Santiago qui. Non, non, Santiago, c'est toi qui es derrière. C'est quelque chose. Eh ben, je sors mon fidèle calibre 38. Et t'as combien en arme à feu? Bien sûr. J'ai 65. Eh ben, vas-y. Lâche cette arme. Scélérat. 75. Alors, deux coups de feu retentissent. Et malheureusement, un troisième coup de feu retentit. Franck tue Margot sous vos yeux. Féminicide. Moi, pour ça, dans mes oreilles passe Girls Just Wanna Have Fun, pardon. C'est très bien. C'est très dansant dans mes écouteurs. Donc, moi, j'ai tiré deux fois. Ouais, il lâche son arme. On peut lui sauter dessus, et il dit... De toute façon, elle avait mérité. Vous pouvez m'emmener au poste si vous voulez. Ah bah ça me c'est pas pour ça que j'ai signé. Moi, je suis trop vieux pour ces conneries. Vous avez tiré. Ça va faire de la paperasse dans tous les sens, ça. Faut le coffrer, là. L'agent Petit Ping va s'en sortir, va s'en occuper. Santiago, par contre. De toute façon, ça c'est ce qu'on appelle une affaire très facile, puisque la personne, c'est du flagrant délit, vous savez tout. C'est une affaire, on va dire, résolue, malheureusement, mais vous auriez pu éviter le drame. On peut peut-être l'interroger quand même avant qu'il se fasse embarquer, non, tant qu'à faire. Bon, non, pendant que vous lui passez les menottes, vous l'interrogez. Qu'est-ce que vous lui dites? Et toi, Santiago, t'es où, là? Vas-y, t'es dans le couloir. Je suis dans le couloir. De toute façon, là, faut que... Toi qui as la porte son nom, ce sera comme si on demandait des témoignages par rapport... Oui, c'est ce que je peux faire, à la limite. Bon, je fais le certificat... Attends, tu veux partir ou pas? Bah non, faut qu'on l'interroge avant. Peut-être qui c'est qui est-ce qui habite en face, peut-être qui c'est qui c'est le gars avec le sweat... Non, mais le mec qui vient de tuer sa femme, tu vas pas lui dire, est-ce que vous savez... Il n'y a pas un mec en skateboard. Ce que je peux faire, c'est déjà faire le certificat de constatation du... Il n'y a pas besoin de faire de certificat. Moi, je trouve qu'il a l'air chaud pour parler quand même. Après, dans le pire des cas, je peux un peu intimider en mode, écoute, on est les seuls à avoir vu la scène, je peux te mettre quelques patates dans la gueule et on dit que c'était la légitime défense. Et c'est notre parole à nous quatre contre toi, donc on peut complètement te tabasser si tu ne parles pas. Stylé. Non, c'est quand même en train de lui montrer. Moi, j'ai pas j'ai goûté à Donna, moi. Il a déjà buté quelqu'un quand même. Je commence un peu à me déhancher dans le magasin. T'as quand même entendu trois coups de feu. Mais je veux dire, parle ou on te pète la gueule, tu vois. Bon, et entendu trois coups de feu, je vais vous rejoindre quand même. Est-ce qu'on peut perceptionner vite fait, voir s'il n'y a pas un skate, des hoodies qui traînent là? Chez lui, non. Mais du coup, Alors, tu fais un jet d'intimider, mais par contre, c'est un peu alambiqué ton histoire. Et puis, il est quand même sous le choc et sous la colère. Tu essaies de le tirer dessus et toi aussi. Donc, il y a des facteurs défavorisants qui font que tu as un malus de 40% à ton jet d'intimidation. Moi, je suis arrivé et je vois la scène, du coup. C'est sûr que t'as presque que 20. Et là, je dis... Ouais, 20, je suis dans la merde. Est-ce que tu peux toquer à la porte palière de l'autre côté? Non, mais sinon, il ne peut pas essayer d'être sympa avec le mec qui vient de tuer sa femme. Ah, moi, je suis très sympa. Pourquoi on serait sympa avec lui? Mais pour le faire parler. Oui, pour le faire parler, pour savoir. Moi, je veux juste qu'il parle, c'est tout. Donc, en gros... Mais pour le faire parler, sur quoi? Moi, je vais la porte d'en face, son voisin en face, en fait. C'est qui? C'est sûrement là où vit le mec qui a assassiné l'autre. Bon, moi, je vais faire ce qu'on m'a dit. C'est quoi ce mec qui tue des meufs, là? Alors, c'est clair. Là, ça fait quand même deux femmes mortes. Je vais aller voir Franck Necrobisous, qui porte bien son nom, du coup. Et en étant très sympathique avec lui. Et tu dis quoi? Je lui demande, écoute, avant d'aller au trou, fais ta BA, dis-nous qui est tout ce que tu sais sur ton voisin d'en face. Fais un jet de... Être sympa avec un malus de 30%. De 30%? Oui, parce que... Pas 40, parce que tu... Mais je suis canadien, je devrais déjà... Oui, mais... ok, donc faut que je fasse moins de 50. 54. Il te crache dessus et il dit, vous avez qu'à tous mourir. Ça sert à rien. Autant aller à la porte d'en face. C'est ce que je te demande de faire depuis 6 heures. Tu frappes à la porte, personne ne répond. Personne ne répond. Essaie de rentrer. J'essaie de rentrer? Est-ce qu'il n'y a pas moyen avec nos affaires de... dégonder la porte? Parce qu'apparemment, c'est... Non, mais là, maintenant, on est à la recherche de témoins pour savoir si... Donc, tu veux quoi? Est-ce que tu veux défoncer la porte? Bah, on a tapé très fort. Oui, personne ne répond. Okay. Mais on écoute s'il n'y a pas des petits bruits. Fais un jet de perception. Ok. Tu veux que je le fasse? 69. Ça passe. Pas de bruit. Peut-être... Pourtant, il est bien monté. Le commerçant l'a vu monter dans sa chambre, dans son appartement. Le reste est condamné. On est au premier étage, on est d'accord. Il n'y a que deux, il n'y a qu'un étage. Il y a peut-être des fenêtres ou un truc comme ça, le mec aurait pu passer par une fenêtre. Du coup, je redescends dans la rue pour voir s'il n'y a pas des fenêtres ouvertes. Il n'y a pas des fenêtres ouvertes ou de la lumière. Tu repères l'endroit où il est, effectivement, la fenêtre est ouverte. Il y a un escalier de service pour sortir par dehors. Et il est parti. Attention à toi. Et là, jure, Santiago Romanoff Reynolds, est-ce que quelqu'un vient avec moi pour peut-être aller courir dans la rue de la rue? Moi, je suis là pour courir. Allez, c'est parti. On va voir dans la rue autour. Non, vous pouvez pas vous splitter. Mais si, vous pouvez chercher un peu partout en faisant un jet de perception. Alors, à l'inverse, on peut prendre l'escalier de service et monter et rentrer par la fenêtre. On peut défoncer la porte et... Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On peut passer par la fenêtre. Tout à fait. On peut rentrer par la fenêtre. C'est un peu illégal, mais on ne fait ça après. Enfin, moi, il n'y a pas de traces d'effraction. On dit police, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'appartement? Non, personne ne répond. Ok, bon. Non, mais on passe par l'escalier de service. C'est pas réglementaire, mais passons par la fenêtre. Vous rentrez dans l'appartement. La lumière est allumée. C'est un minuscule appartement d'une pièce. Donc on ouvre la porte à Santiago et à Reynolds qui était... Bah, moi, je reste dans l'autre appart en attendant que notre ami Petit Ping, qui est décidément un peu partout ce soir, viennent récupérer le mari. Donc on est avec Romanoff et Santiago dans l'appartement du suspect, c'est ça? Ouais. Okay. Un jeu de perception. C'est un minuscule appartement d'une pièce qui devait servir d'entrepôt au magasin et qui a été refait. Un canapé pour dormir, un placard avec quelques vêtements, une petite salle de bain pas très propre, une table avec des restes de repas emportés. Ça semble un peu vide. Il y a un skate ou pas? Il y a une fenêtre ouverte qui donne sur une courrière. Il n'y a pas de skateboard. Est-ce que vous voulez fouiller? Fouiller la penderie pour voir justement s'il y a des boîtes à capuche. Ouais, on fouille la penderie. Fouiller avec vos flingues quand même. Fouiller avec un jet de perception. Ouais, bah... Vas-y Santiago. Donc j'ai mes gants si vous voulez, prenez-les. 40. Alors Santiago, c'est son moment de gloire puisqu'elle vous trouve plein de trucs intéressants. Elle vous trouve sur le placard une valise fermée avec un code à 4 chiffres. Ok. Un patch ou un écusson, vous savez, c'est ce chose qu'on met sur les vestes. En parfait état. Ça ressemble à quoi? Avec le mot Alpha Pizza, montrant une pyramide avec un œil qui observe la Terre qui flotte dans l'espace. Oh putain. Okay. Sur un jet de connaissance de la ville, ce que tu as, ça pourra te dire ce que c'est. Mais j'énonce ensuite ce que c'est. Il y a également un reçu pour le passage d'un message dans les petites annonces du journal de la nuit. Également, tu pourras faire un geste de relations louches par la suite sur ce sujet. Aucune annonce. Ensuite, un post-it avec le numéro de téléphone suivant. 01 84 20 09 84. 01 84 20 09 84. Ça, c'est quoi? C'est un post-it? Ouais. Et sur la table, à l'envers, dernier indice capital, mais qui éclaire tout. Santiago retourne une photo de Stéphanie avec son mari sur une plage grecque en vacances. Ok. Bon, le mec, il a été payé. Ouais, c'était un hit. C'était un hit. La salle de bain, on était sale, mais pourquoi? Alors, juste de la saleté normale? Ouais, juste de la salle, de la mauvaise entretien. Okay. Alors, il faut qu'on ouvre la valise. Donc, et également pour le patch, tu peux faire un jet de connaissance de la ville et pour le journal de la nuit. Connaissance, relation louche. Alors, je vais patcher, je vais regarder le badge. Le patch. Connaissance de la nuit, 87, j'ai perdu. Et donc, pour l'instant, ce patch est un mystère. Mais ça me rappelle quand même des histoires qu'on doit raconter à l'école. Après, ça peut être beaucoup de choses aussi, du coup, le fait qu'il y ait la photo avec Stéphanie. Ça peut être son amant qui s'est mis à la stalk, ça peut être un psychopathe aussi qui la stalk. Mais non, mais ça peut être le mari qui a demandé... Et ça peut aussi être le mari qui demande. Ça peut être un job. En tout cas, est-ce que je peux d'abord regarder le journal de la nuit? Relation louche. Est-il réussi? Bon, largement, ouais. Ah oui. 9. Alors, tu as une piste avec ces éléments, parce que c'est que la section petites annonces du journal de la nuit. Le journal de la nuit, c'est un journal qui ne paraît que la nuit et qui est lu par une certaine frange de la population. Et dans les annonces, il y a souvent en forme de messages codés des trafics dans tout genre. Donc, s'il y a un reçu pour un passage de petites annonces dans le journal de la nuit, c'est peut-être qu'il a passé une annonce pour vendre quelque chose illégal, ou commettre un crime ou faire une action illégale. Est-ce qu'avec vous avez juste le reçu. Peut-être qu'il faudrait voir le journal de la nuit. Est-ce qu'on a la date du reçu pour savoir à quel jour est paru le truc? Ça date du 11 septembre. 11 septembre. Oh, ça date, on était le 20 novembre là. Ouais. Donc c'était à 2 mois. Okay. Et elle a commencé à avoir son avocat il y a 3 semaines. Donc début novembre. Ok, il n'y a rien qui puisse nous donner un indice sur l'identité de la personne qui habite ici. On n'a pas de nom. Vous avez le mot Alpha Pizza. Oui, et on a une valise à 4 chiffres. Alors, pour le patch, ouais. Est-ce que... Et on a aussi un numéro de téléphone. Oui, et on a un numéro de téléphone. Faudrait qu'on donne le numéro de téléphone à notre dispatch pour qu'il nous dise à qui il est ce numéro. Donc 5Q vous dit que ce numéro, oulala, ça va vous rappeler des souvenirs, c'est le numéro de Lorenzo Barkovic, chef de la Compagnie des poissons sur les docks. C'est de l'import-export douteux. Compagnie des poissons. Ok. Ok, okay. Lorenzo Barkovic. Des vrais savent. Est-ce que, alors, Alpha Pizza sur le patch, ça peut être un pseudo, un... Est-ce qu'on peut essayer nous aussi de décoder le cuisson? Même si Reynolds a... Connaissance de la ville. Moi j'ai 30. Combien? Je n'ose même pas imaginer combien j'ai. Bah t'as rien. 20. Si t'as. On peut tenter si vraiment, si je suis en dessous de 30. Hein. Sait-on jamais? Bah oui, ça se tente, ça se tente. 87. Waouh. Ça vous dit rien? Okay. On peut tenter, non? Ouais. Allez. Non mais ça c'est le... Rien non plus. Non mais attends, le... Ça se tente. Le badge, c'est... Enfin, le patch, c'est l'Académie Noire. Enfin... Je connais quand même. Non. Non. Bah si. Bah, j'ai pris des éléments de l'autre jeu de rôle, mais... 24. Sur combien? Attends, c'était quoi le truc? Connaissance de la ville. 20. Oh, 4. Ah, tu sais quoi? T'as fait un jeu qui est pas trop mauvais. Alors, tu vois, tu dis... Ça me rappelle un truc. Parce que c'est toi. Mais... Est-ce que... Oh. Alors, si ça me rappelle quelque... Peut-être chez les pompiers, tu vois, peut-être un truc, tu vois, mais... Ok. Est-ce que la valise, on peut la forcer ou c'est pas légal? Là, déjà, on est dans un appart, on a absolument rien à y foutre déjà de base. Ici, on cherche des témoins pour le crime d'en face, bien sûr. Ouais. Oui, mais on est supposé avoir un mandat, quoi. Est-ce que, avec mes relations respectables, on peut demander l'avis du commissaire Morlock? Il veut nous tuer, non? Tu veux lui demander quoi? Bah, si on peut avoir un mandat de perquisition. Il y a un téléphone ici. Vous pouvez téléphoner si vous voulez. C'est pas une bonne idée, Santiago. Bah, après, on peut essayer de la forcer. On sait, personne ne saura que c'est nous qui l'avons forcée. Donc, déjà, alors qu'on se mette tous d'accord, là, la porte palière là, sur cet appart, elle était ouverte. Oui, oui, on l'a pas forcée. Oui. En fait, quand on a voulu toquer pour demander s'il y avait des témoins, il y avait de la lumière, les témoins. Il y avait une fenêtre ouverte, le rideau qui flottait dans l'air. Il n'y a pas d'effraction. Non, on a juste fait un petit coup d'œil parce que c'était ouvert, quoi. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Ouais, le téléphone sonne. Qui répond? Moi, je suis sympathique. Ouais, mais est-ce qu'il faut être sympa alors qu'on... Ah non, t'as raison, parce qu'en fait, le mec, ça doit pas être sympa. En même temps, moi, si c'est une bonne meuf qui décroche, c'est chaud. Attention, il va peut-être s'arrêter de téléphoner. Vas-y, décroche. Je décroche. Alors, tu décroches. Sois un peu silencieux pour voir qui parle. Je vais être tough. Allô? Ouais. À qui ai-je l'honneur? Ouais. Alpha Pizza. Alpha Pizza. Toi, t'es qui? Pourquoi t'appelles Alpha? Alpha Pizza. Alors, quel est votre nom? C'est quand même eux qui appellent. Je suis un des gars d'Alpha Pizza, bien sûr. Ça m'étonnerait. Alpha Pizza travaille seul. Alors t'es qui? Vas-y. Détends-toi. Moi je te dis, je suis Alpha Pizza. Et toi tu es? Alpha Pizza aussi. Dis bravo Pizza. Pizza bravo. Je suis un des gars qui veut bosser avec toi. J'ai ton écusson. Ça m'étonnerait. Je vous ai vu monter. Je sais que vous êtes un officier de police. Je veux juste savoir votre nom. Et là, on se précipite. Dans la rue. Ouais, va falloir courir là. On regarde la cabine téléphonique en face du magasin Click Click. Alors... Tu la vois d'ici, il n'y a personne dans cette cabine téléphonique. Alors, toujours pas de nom? Tu veux que je raccroche? Non. Je raccroche? Non, on n'en parle plus. Je suis là par hasard. Non, tu veux pas savoir. Il y a eu un crime en face. Il y a eu un crime dans la porte. C'est quoi ton nom? Mon nom? Beta Pizza, je sais pas. Mais non, mais dis-lui ton vrai nom, de toute façon, ils s'en rappellera. Je suis Guy de Saint-Lec des Trois-Rivières à Montréal. C'est vrai, tu viens du Montréal? Tout à fait. Dans les environs, dans les environs. Pendant qu'ils discutent, est-ce que toi, tu peux pas faire un petit truc de perception pour voir si tu vois pas quelqu'un qui a une longue vue ou un truc comme ça? Ah, posteriori. Ok. Écoutez-moi, Guy de Saint-Lec, on est amis maintenant, on se connaît un petit peu. Donc, vous auriez pu me laisser tranquille. Moi, je pousse des gens de temps en temps comme ça. Et je laisse les gens se régler leur compte entre eux. Mais puisque... Monsieur Guy de Saint-Lec, vous êtes si malin, vous êtes arrivé à trouver mon appartement, je ne sais pas comment. Eh bien, sachez que ce soir, je vais pousser des tas de personnes sous des bus, sous des métros et depuis des ponts. Et plein de gens vont mourir à cause de vous. Et dès que le soleil se lèvera, je partirai de la ville, j'irai pousser d'autres gens, peut-être à Paris. Attends, au revoir, Guy de Saint-Lec. Attends, là, Alpha Pizza. Et raccroche. Il n'est pas sympathique. Et il est 22h30, 22h20, et vous avez exactement une heure pour trouver Alpha Pizza dans la ville. Sinon, le soleil se lèvera et il partira. Il ira tuer des subs. Mais voilà. C'est lui notre coupable ou à la base, il a tué? Il a tué parce qu'on l'a commandité. Non mais déjà la petite annonce, le reçu pour la petite annonce, il faudrait contacter la rédaction du Journal de la Nuit. Oui. Bon, en tant que police d'Aria... Attendez, il faudrait quand même qu'on regarde comment il nous a vu rentrer, en fait. Il faudrait qu'on essaie de regarder autour, s'il peut pas être planqué dans une des maisons avec, je sais pas, des jumelles ou un truc comme ça. Il faudrait qu'on regarde, peut-être qu'il a une caméra ou un truc comme ça. Ouais, en fait, moi, je suis pas ouf là-dedans. Il nous a peut-être vu venir, il est sorti par la fenêtre, et du coup, il nous appelle. Ici, toi, t'as... Intuition, 40. Moi j'ai 70 moi. T'as 40 ok. 70 pour Daz. Vous voulez que j'intuitionne? En intuition j'ai 50. 50. Vous voulez que j'intuitionne? J'ai 70. Oui. Intuitionne, ouais. Intuitionne. On peut faire perception aussi pour voir... Intuition. C'est réussi, 46. 46. Alors, l'expérience de Reynolds montre qu'il réfléchit. Ils disent, on est allé au restaurant italien, il nous a vu traîner pendant une demi-heure devant le magasin, je suis rentré dans le magasin longtemps, donc tu fais des hypothèses pessimistes et tu dis, bah, il m'a peut-être vu venir, dans le pire des cas, il y a une heure et il a pu partir depuis une heure, quoi. Donc il est sûrement loin. Est-ce qu'au point où on en est, surtout maintenant, on connaît la conversation, c'est qu'on est face à un meurtrier, est-ce qu'au point où on en est, on ne force pas la serrure de la valise? Bah si, bah, tant qu'à faire, là. Là, on est dedans. Bah, l'ordre n'est plus... Tu tabasses la serrure ? Ouais, vous n'avez pas crocheté les trucs ou... Bon, on tabasse, non ? Parce que dans la mallette, il y a quelque chose qui puisse... Alors, vous avez droit à une seule tentative pour tabasser ou tirer sur la serrure, sinon la serrure va se casser. Dans ce cas-là, il faudra la ramener au laboratoire, par exemple. Romanoff. Allez, hein, on va tabasser la serrure. Hein. Tabasse la serrure. C'est sur 80. Tu l'attrapes par le col, tu vas parler. Elle force un peu, vas-y. 100. C'est pas possible. Alors, c'est le proverbial 100, Syrah. Alors, pourquoi 92 et 100 dans toutes les séances? Tu es dans la maison, tu tires comme Hulk sur la valise. J'ai fait exploser la valise. Et effectivement, tu exploses la valise, c'est-à-dire tu la fais exploser, et dedans, il y avait de l'argent, beaucoup d'argent, une grosse somme en argent, qui s'envole de partout, et notamment par la fenêtre. Et des billets qui volent dans le vent et qui vont recouvrir Aria. Voilà. Donc il y a beaucoup d'argent qui vient de s'envoler. Vous pourrez récupérer 200-300 francs. Qui... Ouais, mais c'est pas grave, au moins on sait qu'il y avait plein d'argent dedans, quoi, donc c'était louche. C'était un tuariage. Est-ce que sur cette valise, est-ce que la valise a quelque chose de particulier, par exemple, je sais pas, des initiales? Non, il n'y a rien d'autre. Enfin, Ballon, elle est en lambeaux, mais il n'y en a pas. Je touche pas cet argent, c'est illégal. Est-ce que je peux pas voir s'il n'y avait pas des empreintes? Non, là, c'est mort. Non, il y a plus d'empreintes. Je ramasse les billets, mais c'est pour pouvoir les mettre au scellé. Tu peux récupérer 300 francs. Ouais, je les récupère, mais c'est pour des preuves après. Bien joué, Reynolds, c'est bien de votre part. Exactement, c'est pour les scellés, c'est important. Oui, mais là, c'est un sang. C'est la malédiction du sang. Ah ouais, ouais. Puis encore, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. J'ai pas explosé la porte. Quand on a fait 92, j'étais pas... C'est le douloureux moment de faire le point avec le commissaire Morlock qui s'y colle. Bah, moi je veux bien lui faire un petit topo. Hein. Moi, je peux le faire aussi, relation respectable. Alors, Santiago, on en est où? Alors, c'est un meurtre ou c'est un suicide? Alors, c'est un meurtre. Vous avez le nom du tueur? On n'a pas le nom, on a l'adresse de son domicile. Bah si, on a son nom. Tueur. Non, mais on a des témoins qui l'ont... Mais il s'appelle Alpha Pizza. Il s'appelle Alpha Pizza. Oui, il s'appelle Alpha Pizza, mais on ne sait pas si c'est un pseudonyme ou... Oui. Il n'y a personne dans l'univers. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une recherche d'état civil sur Alpha Pizza? Il faudrait faire une recherche d'état civil et... En parallèle aussi, si son pseudo n'est pas apparu... dans un journal. Dans le journal, le Minitel... Parce que je sens qu'en fait, lui, il a été commandité, en fait. Mais oui, en fait, lui, il a posé une petite annonce. On a affaire à une sorte de trafic, quoi. Il est empêtré dans des affaires louches. Et sûrement, il agit sous pseudonyme. Donc, il faudrait voir sur toutes les annonces. C'est juste un meurtrier et en plus, il fait du trafic? Il a fait un meurtre et il fait du trafic? Non, il fait pas de trafic. C'est pas un meurtrier, en fait. Là, c'est un tueur à gage, en fait. En fait, on a une conversation au téléphone avec lui. Effectivement, c'est plus un tueur à gage. Ah, vous avez parlé? Oui, on a réussi à l'avoir au téléphone. Il nous a appelé, en fait. Il nous a repéré. Mais en tout cas, ça nous a permis de bien le repérer. Et donc, en fait, non seulement il a été sûrement payé pour faire ce meurtre, mais ensuite, il risque de récidiver pour le plaisir. Là, ça devient compliqué. De ce qu'on a compris en tout cas. Mais en tout cas, il a des liens avec Stéphanie. On a trouvé une photo, donc il la connaît. Ouais. Alors, on l'a vu sur les vidéos de surveillance. Il la connaît, on lui a donné la photo de Stéphanie. Est-ce qu'on peut déjà appeler la rédaction du journal de la nuit? Attendez, ce que vous venez de me dire est important parce que si vous soupçonnez que c'est quelqu'un qui a fait des meurtres, sur quel mode opératoire? Il pousse les gens. Genre sous le bus? Sous le bus ou des ponts. En tout cas, on s'ensuit. On a deux meurtres... Par poussage récent. Ah bon? Ok. On l'a appelé le pousseur. D'accord. Oui, je sais, c'est pas terrible, mais ça fait quand même très peur. Ah, il est meilleur pseudo. Et il agissait dans quel... Donc, il y a eu un avocat qui a été poussé dans l'eau il y a 3 semaines, du côté des docks. Et il y a une autre femme, malheureusement, qui a été poussée il y a 2 semaines. L'autre femme, c'était quoi son job? L'autre femme, alors elle s'appelle Lorine... Attendez, je sors le dossier... Parce que là, on a quand même une femme qui travaillait un petit peu dans tout ce qui était justice, etc. On a une avocate qui s'est fait pousser aussi. En fait, c'est un tueur à gage. Mais attends, parce que c'est peut-être du coup pour des gens qui travaillent dans la justice. Ah. Alors, donc je vous dis les deux... Donc l'avocat, il s'est fait pousser. C'est un homme, du coup. Moussa Al-Grand Miam. Oh. Un avocat des causes humanitaires. Et ensuite, Lorine Tête de Mort. Une secrétaire à la banque Lehman Brothers. Ah bah. Ah, la banque. Donc, pas forcément de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de lien en fait. C'est dommage. En tout cas, c'est tous des gens qui sont. C'est peut-être des contrats. Non, c'est des contrats. Très respectables. Moussa, il a été poussé dans l'eau et Lorine sous un métro. Donc les docs. Les docs et Lorine étaient dans la station docs, Petite Algérie. Ce sont les docs, il faut qu'on aille voir Lorenzo Barkovic. Et c'était à quelle période? Alors, c'était. Récent, mais récent. C'était il y a. Il a dit, non, en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est sur les 2 dernières semaines qu'il y a eu des crimes, c'est ça? Alors, ça date du 8 septembre pour Lorine. Et Moussa, c'était il y a 2 semaines. Est-ce que ces gens avaient des ennemis? Donc début novembre et 8 septembre. Alors, je vous sors le dossier complet. Des gens qui... Dossier. Donc, Moussa Al-Grand Miam, un avocat des causes humanitaires, fils d'un émir. Il est en ce moment en train de carrément, il était en train de faire, ça nous a un peu arrangé, un procès à la mairie d'Aria et à Lorenzo Barkovic, exactement, pour traite d'esclaves, parce que soi-disant, il importait des conteneurs. Avec des gens dedans. Et la mairie a laissé passer avec des gens dedans. Voilà. Et donc c'était une personnalité publique, elle est passée à la télé, tout ça. Et en allant voir Lorenzo près des docks, eh ben, il serait tombé dans l'eau. Évidemment. Ah, de chance. Malheureusement, Lorenzo a un alibi en béton, puisqu'il était au casino en ce moment, à la vue de tous. Donc c'est pas lui qui l'a tué. Bon, le dossier est encore en cours. Et pour Lorine, Tête de Mort, donc on n'a pas grand-chose, c'est une célibataire, elle est arrivée du Rideau, c'est une ville qui est au nord. Elle a trouvé un job comme secrétaire à Lehman Brothers. Lehman Brothers se trouve dans la Tour Exilus, voilà. Elle a une coloc, elle vit en coloc, et à l'arrêt de cette coloc, c'est à l'arrêt Petite Algérie. C'est pas loin. Elle a été poussée. On a le nom de sa colocataire. Le 8 septembre. Nathalie Limtor. Voilà, ses colocs. D'ailleurs, Nathalie a dit qu'elle voulait les porter. Enfin, Nathalie, on a interrogé Nathalie parce qu'il y a d'autres officiers qui sont sur ce meurtre en particulier. Elle a dit que Lorine voulait aller à la police pour porter plainte, mais elle ne savait pas contre qui. Elle savait pourquoi? Non. Donc elle était déjà un peu menacée ou stalkée, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est face à un type qui prend des contrats. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une recherche sur Alpha Pizza? Est-ce qu'il y a des liens entre... Est-ce qu'on peut appeler le journal de la nuit? Et le mieux, c'est de vous y rendre. Ils sont ouverts la nuit. Ça tombe bien pour un journal. Est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autres recherches en parallèle? Est-ce qu'il y a des liens entre Lorenzo Barkovic et les autres victimes? Compagnie des poissons sur les docks? Lorenzo Barkovic, y a un lien avec... Avec une des victimes, mais est-ce qu'il y a avec les autres? C'est à vous de me le dire. On va aller lui parler alors. Après, si, un lien, elles ont toutes été poussées. Mais peut-être aussi sont-elles tombées. Est-ce qu'on sait si Stéphanie Nova Prime travaillait sur des dossiers un peu compliqués ou des sujets... Elle était juste greffière. Hein, donc elle... Ah, oui, mais sur quel dossier, par exemple? Non, mais les greffiers, c'est pas... Enfin, eux, ils prennent juste... Je sais pas, parce que vu que là, par exemple, pour certains... On va faire la recherche sur ce sujet, on vous dira. Okay. Après, c'est débile. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on travaille? Le mari, oui, il fait quoi? On faudrait savoir. Boris Nova Prime. Il faut qu'on aille le voir à un moment donné. Hein. Bah oui, c'est pour ça qu'on aurait pu aller le chercher. On pourra en faire Good Cop, Bad Cop, c'était drôle. J'ai adoré. Est-ce que, alors on fait quoi là? Parce qu'il faut aller voir le mari, il faut aller au journal de la nuit, et puis il faut surtout aller sur les docks. On a 1 heure quoi. Voilà. N'avez-vous pas une autre preuve? Je ne vais pas vous dire ça. Oui. Alors, on a un numéro de téléphone. Bah on a la photo du couple. Et... On a retrouvé la photo du couple, effectivement, chez Alpha Pizza. Le badge, le reçu de la petite annonce. En fait, on a de la valise de billets. Et d'ailleurs, on a de l'argent. Temps. Les 300 francs. Tu t'en rien, vous l'avez au téléphone. Ah, c'est au téléphone. Oui. Commissaire, on a une somme d'argent à enregistrer dans les pièces à conviction. Il y a un numéro de téléphone. On peut vous aider à faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut mettre des patrouilles de police pour retrouver cette personne. Simplement, il nous faut une photo. D'Alpha Pizza. On peut faire un portrait robot. Et comment on l'a pas avec vu? Alors, on a soit le voisin, s'il arrive à collaborer. Non, parce qu'il a dit qu'il avait toujours... Mais non, mais le mec de Click Click. Mais il disait qu'il l'avait jamais vu. Ah ouais, c'est vrai. Si, il le voyait avec toujours une capuche et... Attendez, comment on pourrait voir une photo de lui? Est-ce qu'il n'y aurait pas des caméras dans l'endroit où on est? Autour du domicile d'Alpha Pizza. Est-ce qu'on a appelé le numéro de téléphone? On a trois numéros de téléphone. Est-ce que c'est Barkovic? C'était celui de Barkovic. On l'a pas appelé. On n'a pas appelé. C'est Barkovic, c'est sûr. C'est Little Camille qui s'occupe des archives, qui m'a sorti l'état civil d'Alpha Pizza. Est-ce que vous voulez l'écouter? Ah bah oui. Ouais. Donc, un seul Alpha Pizza. Il s'appelle Luciano Alpha Pizza. Luciano Alpha Pizza. Alors pas de parents, probablement orphelin. Il a été pris en charge par la Fondation César Costa. Donc, la fondation, elle est au nord, si vous voulez aller la voir. Et la fondation ensuite lui a trouvé, a priori, une place à l'Académie d'Aria, donc c'est l'université, hein, où il devrait être en première année. Voilà. Et comment s'appelle la fondation là qui le... César Costa. Ah, César Costa. La fondation César Costa, en fait, elle forme des gens, elle forme des tueurs. Pas du tout, je sais très bien ce que c'est la fondation. C'est la fondation César Costa, ça recueille des orphelins et ça les place. Bien sûr, ça les place. En première année de quoi? J'en sais rien, c'est ce qui a marqué, il a l'université. Ça les place, quoi, ça les place, hein, on est d'accord. Alors, ouais. Sûrement, il y a. J'en sais rien, qu'est-ce que. Reynolds, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Non, mais parce que je connais la ville, commissaire. Là, il y a quand même deux trucs qui se croisent. On a un trafic, un réseau de trafic d'êtres humains, potentiellement. Attendez, justement, il y avait une histoire de trafic d'êtres humains avec le Lorenzo Barkovic, là, qui a importé des gens. Bah, oui. Je vous rappelle qu'on a démantelé un atelier clandestin. Voilà. Mais oui. Mais c'est lié, de toute façon, c'est sûr. Donc il y a d'un côté un réseau de trafic d'esclaves ou trafic d'êtres humains. Ouais. Et en même temps, on a aussi potentiellement une académie qui se charge de confier des missions, de recueillir des orphelins et de les transformer en tueurs. On va pas de faire un petit peu parler justement sur qui connaît quoi, comment, etc. Qui ça? Le mec qui avait le réseau de gens. De toute façon, il est au poste. Le mec du Mezze de Beyrouth. Il est en train de se faire interroger et c'est une autre affaire. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas des nouvelles? Parce que du coup, peut-être qu'il connaît le Lorenzo Barkovic qui apparemment a commandité au moins un meurtre. Eh bien, je lui poserai la question, vous aurez la réponse dans 10 minutes. Donc, il faut avoir une photo d'Alpha Pizza. Il est à l'université, donc justement, il a un dossier universitaire. Oui. Il y a la fondation César Costa qui est aussi un endroit physique dans lequel on peut aller. Il faut aller à la fondation parce que sûrement, ils ont un dossier. Il faudrait aussi passer au journal de la nuit. Attends, au lieu d'y aller, on peut pas juste les appeler si on n'a qu'une heure? En disant, salut, on a besoin d'une photo. Ouais, on peut envoyer une patrouille chercher le dossier de Luciano Alpha Pizza. Pratique, Petit Ping. Est-ce qu'on envoie Petit Ping à la fondation récupérer une photo d'Alpha Pizza? Demandez-moi. Oui, on fait ça. Petit Ping. Et vous, pendant ça, vous faites quoi? Non, on peut aller au journal. On va au journal de la nuit. C'est parti, vous allez au journal de la nuit. J'ai l'impression que c'est plus important des... Bon, bref. Le mari, on le verra jamais, par contre. Donc, c'est une petite course. Votre voiture stoppe près du quartier de la Riviera. Devant le bâtiment du Journal de la Nuit, le quotidien le plus lu d'Aria et qui est ouvert 24h/24. Les journalistes vont et viennent dans l'entrée du bâtiment et ce n'est pas sans vous rappeler l'effervescence du commissariat. Une longue file de gens fait la queue devant le bâtiment pour déposer des annonces, ramasser des journaux pour le lendemain ou même donner des tuyaux. Donc il y a une queue et il y a le guichet. Est-ce que vous faites la queue? Non, on est policiers. On est policiers, donc... Donc vous coupez la queue comme des Parisiens. On va voir Monsieur Tarquin. Comme des policiers. Vous arrivez devant Simone Grossac. Ah, Simone Grossac. Qui vous dit, vous coupez la queue là, faites la queue au bout. On sort notre badge. Oui. Police criminelle. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? On aimerait avoir la personne en charge du service des petites annonces, s'il vous plaît. C'est moi. Parfait. Là, je sors le reçu. Vous voulez savoir quelle est la petite annonce correspondante? Oui. S'il vous plaît. Bougez pas. Alors, pendant qu'elle cherche, Pedro Gnomon Manchot. Vous tapez quoi? Tiens, te tape sur l'épaule et dit, hé, hey. Alors il est énorme, c'est un camionneur. Ok. Il dit, hé, hey, petit gars, tu fais la queue comme tout le monde. Écoutez, Pedro, nous sommes sur une enquête très importante et en plus, c'est ma première. Je m'en fous. Vous allez tous faire la queue. Je me tourne vers Romanoff. Romanoff. Calmez tout de suite, toi, on est agent de police, on est sur une enquête criminelle. Vas-y, j'ai d'intimider. Je peux l'éliminer avec ma lampe de poche, ok, Romanoff, si vous avez besoin de soutien. 76, est-ce que... 79. Ah, c'est raté. Non, je suis 65. Pour l'intimidation. Oui, s'il fallait se battre, j'aurais pu le battre. Alors, mais il dit, mais c'est n'importe quoi les flics. Non seulement vous faites des brutalités policières, vous nous aidez jamais quand il faut, mais en plus, vous vous abusez de vos droits. C'est n'importe... Et dans la foule, il y a 2-3 personnes qui sont en train de vous dire, qu'est-ce que vous coupez la queue? C'est pas normal, faites la queue comme tout le monde. Ouais, on attend depuis des heures. Il vaut mieux calmer plutôt que tabasser. Relation respectable, ça peut pas marcher. Là, non. Parce que c'est plutôt avec des gens. Être sympa. Être sympa. C'est vraiment faire un beau discours à la dérive. T'as combien? 80, mais je fais que des 92. J'ai 50, je peux tester après. Non, mais laisse-le. Vas-y, teste ton. Vas-y. Et tu dis quoi? Écoutez, Pedro et. Laissez la police faire son travail. Chers amis, nous sommes à la recherche d'un tueur peut-être en série. C'est pas joyeux et on essaie d'être là. Alors, t'as quelqu'un qui dit arrêtez tout, on se calme. Et il dit je suis Jonah Piranha. Je suis chef de la rédaction du Journal de la Nuit. Vous venez de dire tueur en série, ça m'intéresse. Dites-moi plus. Donc là, je dis... Et tu les gens comment? C'est le stagiaire qui est en train de parler. Non, là, par contre, il faut le... Attention, attention, Saint-Lec. Alors, je vous en dirai plus dès qu'on aura eu accès à la petite annonce. Et je pourrai vous dire s'il se passe quelque chose ou pas. Mais on a besoin d'avoir la petite annonce maintenant. Alors, hop, devant Jonah Piranha, Simone sort tout de suite la petite annonce. La petite annonce dit... Je résous les problèmes de ronge-fange sans ennuyer vos voisins en votre absence. Bon prix, avec un numéro de téléphone qui est celui d'Alpha Pizza. Et le ronge-fange, toi qui le sais bien, c'est un terme à l'argot pour dire personne qui tente kikine. Voilà. Donc c'est un tueur. C'est un tueur à gage. C'est un tueur à gage. Mais ça, on le savait déjà. Alors, Jonah Piranha dit par contre, un tueur à gage. Incroyable. Est-ce qu'on peut avoir. Alors, du coup, dans ce qu'on va faire. Il faut l'historique des numéros des gens qui l'ont appelé. Bah, on peut le recouper avec le numéro de téléphone de Boris. En fait, ça serait Nova plus simple Prime. De vérifier simplement si le numéro de téléphone de Boris Nova Prime a appelé ce... Oui, voilà. Enfin, Alors, vous allez à la radio et vous demandez cet historique. Ouais. Alors, on n'a toujours pas rencontré Boris Nova Prime. Il y a Morlock qui dit, à propos, pas du tout félicitations pour la femme qui a été tuée. Il paraît que vous auriez pu éviter ça. Je pense que... En tout cas, vous prendrez la... Sauf le stagiaire qui n'était pas sur les lieux. C'était pas du bon travail. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous parlez de ça dans votre rapport, Santiago. Je te rappelle que tu as raté ton tir aussi. On a fait ce qu'on a pu. Il y a Petit Ping également qui voudrait vous parler. Okay. On écoute. Elle dit, je suis devant la Fondation Costa et elle est fermée. Et genre, elle est fermée. Je pense que des officiers pourraient rentrer, mais pas moi. Donc, qu'est-ce que je vous attends On y va. Allez, hop. On y va. Ah bah, de toute façon, on n'a plus rien à faire ici. Également, le prix Romanoff. Est-ce que je peux mettre la cassette de Madonna dans la voiture? Du coup, il y a notre radio. Tout à fait. Vogue de Madonna. Ne mettez pas la musique, sinon on va faire straquer. Et tu as aussi ta réponse. Il n'y a pas de lien entre Barkovic et... enfin, l'affaire du Mezze de Beyrouth et Luciano Barkovic. Ça va pas nous faire des problèmes, le journaliste qui commence à fouiner. Il faut qu'on termine l'enquête avant demain matin. Ils n'auront pas le temps de boucler. Vous allez... Alors, effectivement, le temps file, mais c'est bon, on est encore dans les temps. Vous arrivez à la Fondation... Alors, c'est carrément au nord, mais au nord-ouest de la ville. Okay. Vous traversez le quartier Tsigane, à l'extrême nord de la ville, en face de terrains vagues, isolés, derrière des grillages, un grand immeuble abandonné, la Fondation Costa, dont les fenêtres et les portes sont clouées avec des planches, et ce depuis au moins 5 ans. La pluie tombe comme un rideau. Et il y a Petit Ping qui est devant, comme ça. Voilà. Elle est fermée, cette fondation, elle marche ou elle marche pas? Non, si c'est cloué, ça marche plus. On devrait pas plutôt essayer d'aller voir le mari, justement, parce qu'on est quasiment sûr qu'il a appelé l'autre gars. Non, mais sinon, de toute façon, dans le dossier universitaire de Alpha Pizza, il y a sa photo. Oui, bah oui. Attendez, juste, quelqu'un peut perceptionner pour savoir si cette fondation est fermée depuis des années ou si c'est juste qu'elle est dans un état délabré de ouf. Bah, vas-y, Santiago. Les fenêtres et les portes clouées, quand même. Bah, je sais pas, c'est peut-être la mode. 48, c'est bon. 48, l'agent Santiago repère quand même une petite trappe qui mène à l'intérieur. On va sortir les lampes de poche. Ouais, mais on va sortir le fusil à pompe aussi, là, dans un truc à pompe. Ouais. Sors le fusil. Romanoff sort le fusil à pompe. Oui. De la voiture, là. Ouais. Effectivement, on voyait des camps de ciganes pas loin. Et il pleut. Et voilà. Il n'y a pas de lien relatif aux ciganes. Mais pour l'instant. Alors, du coup, ça va peut-être être la deuxième fois où quand on rentre dans un lieu qui paraît abandonné, où on se retrouve face à des situations illégales. Donc, je sais pas si on. On appelle une patrouille. Il y a déjà Petit Ping. On n'a pas le temps aussi. Oui, ok, allons-y. Bah. Alors, Petit Ping dit, je ne ferai pas de rapport sur lequel... J'ai rien vu, je dirais que... Sauf si vous tuez des gens, n'est-ce pas? Donc, vous rentrez un par un par cette petite trappe qui est pleine de poussière. Le bâtiment est abandonné, il y a des rats qui courent partout. Et rapidement, puisque vous avez l'administration dans l'âme, vous trouvez les archives administratives. Okay. Et un jet de perception réussi peut-être vous permettra de trouver le dossier de Luciano Alpha Pizza. Oh, effectivement, tu ouvres le dossier épais de Luciano Alpha Pizza et tu as les faits suivants que je peux te rappeler à n'importe quel moment, mais je te les dis quand même. Orphelin, trouvé sur les docks, probablement dans un arrivage d'immigrants illégaux. Le dossier a une photo de lui à l'âge de 5 ans. L'université. Voilà, son nom a été arbitrairement décidé par la direction de l'époque ainsi que sa date de naissance. Le 28 avril 1972, ça, date à laquelle il a été trouvé. C'est pas sa vraie date de naissance. C'est pas sa vraie date. Et d'ailleurs, je le dis maintenant, c'était l'ouverture de la valise, c'était 28-04. Voilà. On n'a pas eu le temps. Confié à la Fondation Costa, il a été placé dans une famille dont le nom a été effacé. Impossible de voir, même avec la transparence. Mais dans cette famille, il y a eu un grave accident. Il a précipité sa demi-sœur du premier étage sans raison et s'est retrouvé à nouveau à la fondation. Donc c'est un tueur-gage psychopathe. Oui, il savait que c'était un psychopathe. Oui, il avait l'air un peu pas très équilibré, le monsieur. Il avait l'air motivé, en tout cas. Il a été réadopté par un certain Tiberius Nemezzi. Tiberius Nemezzi. Exactement. Et là encore, il a été rendu à la Fondation peu après, cette fois-ci à cause de Tiberius qui avait perdu sa femme et qui ne sentait plus capable d'élever un enfant à problème. Okay. Et il a perdu comment sa femme? Elle est sautée par la fenêtre aussi? Pas de mention. Okay. Lors de la faillite de la Fondation, Luciano a reçu une petite somme et ensuite il a été jeté à la rue. Okay. Okay. C'est à ce moment-là que vous entendez des bruits au premier étage, juste au-dessus de vous. Des bruits, des cris affolés. Ah, on y va. Normalement, il n'y a personne. Donc, on demande à... On a des talkies, nous, sur nous. On n'a pas une petite radio pour parler à Ping. Donc, on demande à Ping s'il n'a pas vu quelqu'un rentrer. Non, j'ai vu personne rentrer. Il y a du mouvement, en tout cas. Est-ce que, depuis l'extérieur, il voit de la lumière au premier étage? Non, mais j'entends des cris. Ah bah, c'est bien, ça. Est-ce qu'il a assez de monde avec lui pour pouvoir rentrer? Je suis tout seul. Mais vous êtes quatre. Et j'ai vu quelqu'un avec un fusil à pompe. Non, mais qui a... c'est nous. Bah, qu'il appelle des renforts quand même. Ouais, d'accord, j'appelle une patrouille. Comme ça, au pire, si on vient, il y aura une envie. Nous, du coup, on va monter à pas feutré. Vous montez au premier étage et il y a une espèce de squat d'héroïnomane. Et il y a un couple, un homme et une femme, et l'homme en question est un camé qui est en train de faire une overdose d'héroïne par arrêt cardiaque. Donc, et sa pauvre compagne est désemparée et elle hurle à la mort. Il est encore possible de le sauver pour quelqu'un qui s'est soigné. C'est ce qu'on va faire. Vous voulez calmer, moi, je le soigne. 60. Oui, sûr. Sur un 70. Évidemment, l'agent Santiago maîtrise la situation. Elle en a vu des camés dans sa vie. Elle arrive à lui faire un massage cardiaque qui lui casse deux côtes, mais qui le maintient en vie. Okay. Et également, tu trouves 12 grammes d'héroïne sur lui. Ok. Okay. Bon, juste pour les gens qui reprennent en ce moment en live, il ne s'est pas passé grand-chose, ils sont en train de téléphoner à l'université. Okay. Donc ce soir, c'est la fête du roi Vladimir à l'université. Et donc, il y a tous les étudiants qui sont dehors. Les bâtiments administratifs sont fermés, voilà. Je comprends totalement, mais vu que c'est une affaire urgente, est-ce qu'il y a moyen de... Je suis la seule personne responsable ici et je n'ai pas le droit personnellement d'aller dans les bâtiments administratifs. Est-ce qu'il y a un responsable qu'on peut contacter ? Il y a un doyen, mais il est chez lui à cette heure-ci. Quelle est son adresse ? Attends, mais il n'a pas le droit, mais c'est quand même pour une enquête criminelle. Vous ne pouvez pas passer demain matin ? Non, c'est vraiment urgent. Est-ce qu'on peut appeler le... Un de vos anciens étudiants risque de commettre des meurtres. Vous ne voudriez pas avoir ça sur la réputation de votre université. Quelqu'un me fait un jet en... Intimider ou convaincre? C'est à moi, ça. Ah, intimider, je peux. Être sympa, tiens. On choisit quoi? Intimider? Alors, moi, j'ai des lois respectables. Je peux connaître le doyen. Allez, vas-y, tiens. Excuse-moi. Tant pour moi. Et aussi, là, tu connais bien le doyen, c'est mon pote. Alors, tu connais le doyen? Tu connais pas le doyen, mais tu connais un mec qui le connaît, tu vois. Okay. Et le doyen dit, OK, je vais venir, mais venez en personne parce que je peux pas vous donner le dossier. OK. Bon, on fonce. On va à l'université. Il faut aller à l'université. Ça se trouve que le gars est à cette fête. Imagine s'il fait quoi que ce soit. De toute façon, c'est même pas un ancien élève. Il est scolarisé là. Oui, mais il va jamais en cours, on va pas se mentir. L'Académie d'Aria, une prestigieuse université de niveau international, s'allonge sur les collines est de la cité dans un grand campus aux bâtiments anciens qui domine les maisons bourgeoises du bord de mer. Au grilles d'entier, donc vous retrouvez Johan, Sekiro, le gardien qui vous a répondu. Je la fusille un peu du regard. Et il dit où est-ce que vous voulez aller? Bah, l'administration. Oui, pour le dossier. On a besoin d'aller aux archives des élèves. C'est tout droit. Si vous voyez, alors, vous pouvez jeter un œil, il y a la fête du roi Vladimir sur un côté. Voilà. Ok. Il y a des saucisses? Alors, si vous voulez savoir la fête du roi Vladimir, puisque je vois que vous êtes étranger, vous connaissez bien. On peut pas faire une perception pour voir ce qu'elle a, si elle est bourrée. Elle veut juste te demander si vous... On est de la police. Alors, vu de nez, elle est alcoolisée, effectivement. J'étais formé pour serve and order, comme on dit. On est des surveillants, plutôt, il fallait dire des surveillants. C'est servir et protéger. Vous êtes des surveillants? Oui, on est des surveillants. Alors, je suis Elana Géjouille et je suis très inquiète parce que j'étais en train de boire Elana Géjouille. Ok. Et j'étais avec mon amie Nina Ragnastormwitch. Ok. J'étais avec mon amie Nina Radnastovic, on a beaucoup bu, elle ne pouvait même pas tenir debout. Oui. Et nous, on est à l'internat des filles, et il y a un garçon qui s'est proposé de ramener à l'internat des filles, et elle n'est pas du tout à l'internat des filles, donc je pense qu'elle l'a plutôt ramené à l'internat des garçons, et comme elle était complètement alcoolisée, j'ai un peu peur qu'il soit passé quelque chose de grave. Est-ce que vous pouvez y aller, s'il vous plaît? On peut se splitter ou pas? Non. On n'est pas supposé avoir le temps, en fait. Bah oui, on a le temps pour regarder. Concrètement, vous avez une demi-heure avant que le soleil se lève, là, en temps réel. On a besoin de la photo, on prend la photo du dossier. Donc vous n'allez pas gérer le problème. Non, mais attends, il y a une sécurité du campus. On va voir le doyen. Le doyen, il y a un problème. Non, mais le doyen, il est en haut, il vous attend. Mais on monte voir le doyen et on prend les photos et on dit au fait, allez gérer, il y a une fille. On appelle la sécurité. Votre décision, c'est de monter voir le doyen, c'est ça? Oui. J'ai besoin. On attend, on lui dit qu'on arrive tout de suite. D'accord, mais c'est très important parce que là, ils sont. Oui, d'accord. Okay, okay. Mon karma bon, de montez. Canadien, là, mon, on a besoin de la photo mon du karma gars. Il est loin l'internat des garçons? Bah, il faut prendre la voiture et vous roulez 5 minutes. Non, non, ok. Dossier d'abord. On n'a pas le temps. Ok, on va au dossier. On va chercher le dossier, on arrive. Alors, vous montez et le doyen. Monsieur la Duchère vous reçoit. Oh, donc comme ça vous êtes ami de Monsieur Mazza. Voilà, donc vous voulez le dossier de Alpha Pizza, Luciano. Ah, Luciano Alpha Pizza. Alors oui. il ouvre le dossier, il cherche et il dit ah, un monsieur qui fait partie du membre, un membre émérite du club d'escalade. Ah. Tiens. Donc. Est-ce que c'est un élève on aurait une photo déjà. L'internat des garçons, je n'ai pas grand-chose sur le dossier, mais nous avons un trombinoscope de l'université. Okay, et bien. Effectivement, dans ce trombinoscope, en feuilletant, tu trouves la photo de Luciano Alpha Pizza, un jeune homme blanc avec un visage qui peut faire l'objet d'un signalement et que vous pouvez faxer même, puisque le doyen dispose d'un fax. On le faxe. Arrivé devant l'internat des garçons. Et la porte est fermée. C'est un beau bâtiment isolé, une belle maison. Il y a des hauteurs? Il y a 2 étages. Bah, on toque et puis on dit police. Alors, il y a un étudiant qui t'ouvre et il dit police, bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est la fête du roi Vladimir. Ouais, on dit qu'on cherche une jeune fille qui est venue à l'internat des garçons. Impossible qu'il y ait des filles ici, puisque ici, c'est l'internat des garçons. Et bah, oui, mais justement, on l'a vu. On je me présente, je suis Amaury Soumis. Amaury Soumis. Alors, Amaury Soumis, si jamais tu nous forces à rentrer. Est-ce qu'il aime se faire fouetter, ce Amaury Soumis? Et qu'on trouve une fille là où il ne devrait pas y en avoir, ça va se terminer au poste, la fête de Vladimir. Fais-moi un jet d'intimider. Et surtout, tu vas perdre toute ta scolarité. C'est moi qui devrais en faire un, non? Ouais. Bah ouais. Non, mais alors vas-y, dis-lui. Tu me parles, je suis Amaury Soumis. Écoute, on a quand même reçu le signalement qu'apparemment, il y a une jeune fille qui serait montée ici. Sache que si on retrouve une jeune fille, que tu nous forces à rentrer et qu'on retrouve une jeune fille dans ce bâtiment où il n'est pas supposé y en avoir et qu'il lui est arrivé des choses non respectables, vous allez avoir tous de très gros problèmes. Alors, je précise juste le contexte. On est malheureusement dans les années 90 où la notion de consentement n'est pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, quand même, la notion de viol existe depuis tout le temps. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est les années 90, c'était compliqué à cette époque-là, quand même. Non, malheureusement. Ça, c'est un viol. Bon, bref. Oui, non, bien sûr, un viol est un viol. Non, mais voilà. La notion de consentement est. Oui, bah ça, ils s'expliqueront après au tribunal, c'est pas grave. Alors, vas-y. Alors, comme il sent fort, quand même, tu fais un jet d'intimider, il t'enlève 20%. Ça, c'est l'alcool, ça. J'ai du mal, du coup. 83. Mais alors, il dit alors, moi, la police, vous pouvez venir à 5, de toute façon. Moi, mon père, il est super riche. Donc la famille Soumis, on est hyper riche, on est intouchable, on a des avocats partout et c'est moi qui vais vous faire des procès. On fait une relation respectable? Moi, ton père, je connais. Ton père, je connais. 18. Ton père, je connais. Hein? Donc si tu veux pas que je rapporte à ton père ce qui se passe, d'ailleurs, que tu fais, t'es pas un si bon élève que ça et que tu fais obstruction à une enquête policière, ça te pose des problèmes. Alors, il se retourne vers ses amis, il dit « Moi, écoutez, je ne peux pas les empêcher de rentrer. » Donc, tu as 2 autres qui se mettent dans la porte et disent « Non, on ne vous laissera pas rentrer. » Déjà, c'est un internat pour garçons. Vous êtes des adultes, vous n'avez pas le droit de rentrer, vous ne rentrerez pas. Pour essayer de les intimider. Oui, intimider ceux-là. Alors, c'est Papierre et Aramir. Papierre et Aramir, vas-y, on les fume. Les potes d'Amoury. Tu veux les réintimider? Vas-y, tabasse-les. Des petits connards de frat boy. Non, on les intimide d'abord. Des petits connards de frat boy. Alors tu leur dis, laissez-moi passer. Vas-y, intimide-les. 41. Yes. Cette fois-ci, Romanoff parle avec sa grosse voix, avec son fusil à pompe dans la main qu'elle a gardé. Ah oui, c'est vrai. Et finalement, ils disent... Tu vas me laisser passer. Ils baissent un peu les yeux et ils disent, bon, écoutez, il y a peut-être une fille qui est rentrée, mais... on lui a demandé la permission de l'amener ici, elle était complètement d'accord. Ouais. Donc là, elle est là-haut sur le lit, elle est tranquille, voilà, on n'a rien fait de mal. Bah, directement, on perd pas de temps de discuter, on va directement à la chambre. On va directement la voir. Donc, vous la trouvez effectivement sur le lit, inconsciente, voilà, sous les draps. Habillée. Déshabillée. Ah. Et inconsciente? Ouais. Bah, on la roule dans les draps comme un petit rouleau de printemps et on la sort immédiatement du truc. Bah oui, on la rhabille, on la sort. En même temps, on n'a pas de temps à perdre. Est-ce que vous demandez à Petit Ping d'amener des gens au poste ou pas? Non, mais faut les frat boys, on va les envoyer en. Vous voulez pas sinon qu'on interroge pour savoir qui a amené la jeune fille ici? Ah, tu penses que c'est Alpha Pizza? C'est pour ça que je demandais s'il n'y avait pas des hauteurs par hasard. Mais non. Mais après, il l'a pas poussé, ça serait bizarre. Peut pas être au four au moulin, votre gars là. Non, il n'y a plus personne dans la chambre. Je peux faire un perception pour voir s'il y a, il y a des conclusions. Quelqu'un peut faire un jet de psychologie. J'ai 10. Moi, j'ai 70. Faire un bon jet de psychologie. 30. Allez, c'est bien. 35. Ah. 35. Alors, tu t'appelles Reynolds. Reynolds parcourt vous regarde agir. Tu vois qu'Aramir est plus tendu que les autres. À mon avis, c'est peut-être lui qui a ramené la fille ici. Voilà. Ok. Donc là, je l'appelle. Oui. Je dis Aramir, t'as rien à me dire? Ah, il a ma technique de la lampe de poche. Mais j'ai rien à dire, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est venue comment, là? Parce qu'elle m'a l'air en difficulté totale. Mais c'est vrai qu'elle m'a demandé à ce que je l'amène ici. Enfin, voilà. Pourquoi elle est déshabillée? Donc c'est toi qui l'as ramenée. Mais elle était inconsciente. Et, elle est inconsciente et donc, dans son état d'inconscience, elle a pu te demander de la mettre dans le lit. Je ne peux pas la ramener au internat de filles. Je peux pas rentrer dans l'internat de filles. C'est interdit de ramener filles dans un internat de garçons. Donc là, il commence à transpirer. Oui, exactement. J'écoute, Aramir, ce que tu as fait, c'est ultra grave. Donc là, déjà, t'es parti pour finir la nuit au poste, déjà, premièrement. Il est possible qu'on écourte ton séjour au commissariat si tu réponds à des questions simples et précises. Alors, il dit oui. Est-ce que tu connais Luciano Alpha Pizza? Alors, il fait partie du club d'escalade. C'est le plus fort du club d'escalade. Est-ce que tu saurais où il est, en ce moment? Bah non, il doit être chez lui. Il n'est pas à l'internat. Il n'est pas à l'internat? Est-ce qu'il l'a vu aujourd'hui? Il vit en ville, à la petite ville. Ouais, ça, on sait. Tu l'as vu aujourd'hui? Tu l'as vu sur le campus? C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Je sais pas, on fait pas les mêmes corps. Ok, bon. Tu vas aller expliquer le reste de ta soirée à mon collègue Petit Ping. Ouais. Petit Ping, qui est vraiment beaucoup de travail ce soir, ramène Luciano à faire classer à nouveau. Quelle est votre prochaine étape? Alors, là, les docs, monsieur. Le mari, Parce que le mari, il a sûrement... Mais d'ailleurs, on devait pas avoir dans 10 minutes, là, le croisement des lignes téléphoniques et tout ça. Il t'a répondu que non, il n'y avait pas de lien. Ah non, il n'a pas répondu. Non, il n'a pas répondu. Est-ce que dans le listing historique des appels de Alpha Pizza, il y a le numéro de téléphone qui vient de la maison des Nova Prime? Non. La maison ou du bureau de Nova Prime. Donc il n'y a rien qui lie pour l'instant Boris Nova Prime à Alpha Pizza. Il y a beaucoup de cabines téléphoniques qui ont appelé vers le numéro d'Alpha Pizza. Ah, ça veut rien dire. Quoi? La même cabine téléphonique? Non, pas la même. C'est qu'on n'a pas le temps. On va voir le mari, on lui met un coup de pression immédiatement. On lui met un coup de pression. Le mari, ils ont été chercher. Ouais, le mari, on a envoyé quelqu'un le chercher ou pas? Non, hein, du coup. Non, vous avez laissé tranquille. Ce qu'on va faire très précisément, c'est qu'on va lui dire que sa femme est morte, on va voir sa réaction. Waouh, quelle bonne idée, stagiaire. Donc, vous reprenez rapidement et vous n'êtes pas loin, c'est assez optimisé. Ça fait un DUT en criminologie, non? Votre véhicule stoppe dans une rue du nord de la ville où se trouvent des lotissements confortables mais tous identiques. La maison de Boris et Stéphanie, et je ne sais même plus de leur nom, c'est quoi? Nova Prime. Est complètement ordinaire et de l'extérieur, vous entendez des bruits de télévision. Est-ce qu'il y a une voiture ou deux voitures garées devant? Il y a une voiture dans le garage. Elle est comment, cette voiture? Et on va dire, il n'y a pas de voiture, parce que la voiture Stéphanie a été volée. Et on n'a pas d'ailleurs. Peut-être qu'elle a été volée pour être ramenée. Bah non, c'était une Renault 5. Ouais, mais attendez, on ne peut pas rechercher la plaque avant une idée d'où elle est, la voiture? Je pense que la voiture, en fait, il y a quelqu'un qui n'a rien à voir, qui est arrivé, et on l'a vu sur la vidéo, il a regardé autour de lui, en fait, il a embarqué la voiture. C'est plutôt un voleur, je pense. Ouais, ok. Vas-y, on lui rentre dans le lard. Qui était à pied sur l'autoroute. Oui, bon, on va rentrer, on va lui annoncer. La mort de sa femme? Bah non, on toque à la porte. On peut pas plutôt dire qu'elle a juste disparu et qu'on sait pas où elle est pour l'instant? On peut commencer comme ça. Ouais. Il frappe à la porte. Je peux aller derrière. Tu peux aller derrière. Vas-y, va derrière. Si tu veux. Cool. Ok, je frappe à la porte. Alors, Boris, que vous supposez Boris Nova Prime, ouvre la porte. Il est en jogging. Il a une écharpe Olympique d'Aria et une bière à la main. Il dit oui, vite, le match. Oui. Je suis devant le match. Alors, quoi? Alors du coup, on lui repose la question. Vous êtes bien monsieur Boris Nova Prime? C'est moi. Très bien. On a eu... On a retrouvé la voiture de votre femme. Oui. On a retrouvé la voiture de votre femme, sans votre femme à l'intérieur. Donc sûrement, sa voiture a été volée. Est-ce que vous a contacté à ce sujet-là ou pas? Alors, il est choqué. Et il dit, vous pensez qu'elle serait morte? Il jump vite en tant plus jeune, comme on dit au Canada, chez les Québécois. Mais il est en état de choc. Alors, vous pensez que sa vie était en danger? Il est en vrai état de choc. Quelqu'un fait un jet de psychologie? Ouais, allez hop, le psychologue. Yes, 93. Il est en véritable état de choc. Ah, il est vraiment en état de choc. Bah, moi j'ai 93, donc... Il a raté son truc de psycho. C'est du mytho pour moi. Mais... ça sert à rien. Et, voilà, on pose la question. Est-ce que vous pensez que votre femme était en danger? Non, j'ai craint le pire et maintenant je l'aime tellement. Est-ce que vous pensez... Ou attends, que... tu l'aimes tellement, mais t'es en instance de divorce avec elle. Quand non, mais... faut pas le dire, ça. Elle l'a dit, c'est trop tard. Elle dit, bah, attendez, j'ai l'impression que vous êtes bien renseigné. En fait, vous connaissez tout. C'est ma femme qui vous envoie, c'est ça? Non, pas du tout. Alors, savoir si on peut réavouer qu'il était en instance de divorce. Non, mais depuis tout à l'heure, elle a quand même le réflexe de dire c'est ma femme qui vous envoie. Donc pour lui, il pense qu'elle est encore vivante. Alors qu'il a quand même. Si, notre soupçon, c'est qu'il a payé pour la tuer, il n'a pas payé pour faire autre chose. Donc là, si on dit que votre femme a disparu. Non, je sais pas, ça se tient. Ça on ne peut pas dire sinon qu'on a juste fait des recherches. Bon, alors dites-moi, ma femme n'est pas là, vous savez pas où elle est? Non, non, on a retrouvé sa voiture. Est-ce que je peux passer un avis de recherche? C'est-à-dire? Vous voulez une photo d'elle? Bien sûr, oui. Ouais. Oui, oui. Il va à l'intérieur et de façon choquée toujours et tremblante, il vous tend une photo d'elle. Ok. Est-ce qu'on peut... Quelqu'un peut tenter un truc de psychologie aussi? Psychologie, moi j'ai 10, j'ai perception. J'ai 30. Est-ce que une perception ça peut... Non, c'est la psychologie. Je tente à 30. À 30. En psychologie? Ouais. Vas-y. Tout ce que je peux faire, c'est de l'intimider. Bon, on le tente après, de toute façon, c'est la prochaine étape. Non, ouais, c'est... la prochaine étape. Sans. Une intuition. Alors... tu regardes dans les yeux et tu dis, je pense que, en fait, on a trouvé votre femme qui s'est suicidée et on pense que c'est un tueur en série que dont vous avez payé les services. Tu lui dis tout, tu vois, en fait, tu lui dis toute l'affaire, comme ça, pour espérer lui faire avouer. Et c'est un très mauvais move. Et il dit, ah bon, mais c'est non, pas du tout. Je suis complètement innocent. Vous vous trompez. Voilà. Bon, bah, on va essayer d'intimider à ce stade, puisque de toute façon, on a déjà tout des. Moi, je touche plus à rien. 200 dans la même soirée, quand même. Hein. On n'a officiellement aucune raison d'intimider. Hein. Tu vois. Il faut tout tenter, là. Le jour se lève et il faut... Non, mais on sait qui l'a tué, c'est Alpha Pizza. Après, le commanditaire, ça c'est autre chose, mais c'est un coup de billard à 3 bandes. Ouais, mais peut-être que lui, il peut savoir où est Alpha Pizza. Ouais, comment il l'a contacté. C'est le moment de faire le point avec le commissaire Morlock. Ah, donc on n'essaye pas d'intimider. Ah, à moins que tu veuilles faire quelque chose. Vas-y, de toute façon... On n'a plus rien à perdre. Qu'est-ce que tu lui dis? Faut que tu argumentes ton intimidation. Justement, appuie sur ces arguments-là. On voit qu'il supposait assez rapidement qu'elle était morte, qu'il lui arrivait quelque chose, alors qu'on n'avait rien dit. Donc il aurait des raisons de croire qu'il lui arrivait malheur. Ouais. Et écoutez, que peut-être il était peut-être plus au courant que nous, quoi. Bon, tu l'attrapes par le callback et tu lui dis, tu vas avouer. Attends, on a quand même plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'on a quand même vu que vous étiez en instance de divorce avec votre femme. La première chose à laquelle vous avez pensé, c'est que votre femme devait être décédée, alors qu'on a simplement dit qu'on avait retrouvé sa voiture. Et à côté de ça, il y a aussi le fait qu'on a quand même retrouvé une photo du couple, mine de rien. Alors comme il a tout foiré avec son sang, son sang avec 3 chiffres, ce que tu fais, c'est que tu lances un jet sur ton intimidation, mais tu as un malus de 30%. Donc tu 30 en fait. Je suis désolé, je pensais que c'était une enquête simple ce soir. Moi. Je ne savais pas qu'il fallait enquêter sur des... Merci, Romanoff. Alors, tu le vois, il tourne de l'œil, il se voit en prison, tout ça, et il comprend que s'il avoue tout, il dira, écoutez, effectivement, j'ai eu une petite annonce dans un journal, j'ai compris que je pourrais me débarrasser de ma femme parce qu'elle partait avec la moitié de mon argent, et là, je vous dis tout parce que j'ai vraiment envie de pas du tout aller en prison, ou en tout cas, de dire moins possible. S'il vous plaît, faites en sorte que je m'en sorte bien. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que j'ai répondu à cette annonce, j'ai appelé un numéro de téléphone depuis une cabine téléphonique, quelqu'un m'a dit, je m'en occupe, et j'ai payé 5 000 francs pour ça. Et voilà. Comment il a payé 5 000 francs? Je lui ai donné, j'ai mis dans une enveloppe et je l'ai mis dans une poubelle du côté de la petite Algérie. Donc pas loin du domicile d'Alpha Pizza. C'est logique, mais c'est qu'en fait, il n'a pas rencontré. Est-ce qu'il a eu des nouvelles depuis? Est-ce qu'il a une idée de où il peut être? Est-ce que... Ben non, pas du tout. N'importe quoi, une info quelconque. Non, en fait, c'est 100% anonyme. Je regrette vraiment mon geste. Sachez que je regrette vraiment, je m'en veux complètement. Et vous le contactez avec quel numéro? Avec le numéro de la petite annonce. Vous appeliez d'où? D'une cabine téléphonique. Je peux lire ses droits ou pas? C'est lire ses droits. Jamais fait. On va appeler Petit Ping déjà. Oh, c'est Petit Ping. Non, après tu peux lire. Vous avez résolu l'affaire, effectivement. Oui, attends, mais on n'a pas encore. Il nous reste un dernier truc à faire. Il faut aller au doc. Le commissaire. Boris Nova Prime. Tout ce que vous direz pour être retenu contre vous. Pourra et sera retenu contre vous. Non mais attendez, je vais garder le silence. Je croyais que on était copains si je vous disais tout. Vous avez le droit de garder le silence. Et votre avocat... Et vous avez le droit de demander un avocat. Et vous avez le droit de demander un avocat. Vous avez le droit de demander à parler... Alors, vous lui mettez les menottes. Et Petit Ping, qui a vraiment beaucoup travaillé cette soirée, vient le chercher. Petit Ping, c'est vraiment la voiture balai. Il fait des livraisons. Petit Ping, tu sais que... C'est rentable, hein, encore une fois. Alors, Petit Ping, tu pourrais faire de l'argent en transportant les gens plus tard. Morlock... Mais pas dans des cargos ou des trucs comme ça, tu vois. Morlock fait un... Donc, dit, on avance, c'est bien. Bon, et maintenant, il dit, il n'y a pas de temps, l'aube se lève et on fonce... Sur les docks. Sur les docks. Okay. J'ai quand même une chose à vous dire. Ouais. La fille que vous avez ramenée, elle a été violée. Ah. C'est assez grave. Et par contre, il y a quelque chose dans votre dossier, parce qu'on a interrogé Elana. Elana nous a dit que dès que vous êtes arrivé, elle vous a sollicité, mais vous n'avez pas pris ça en charge immédiatement, sa demande. Oui, parce qu'il y a une affaire de tueur en série. Exactement, il y avait plusieurs vies en jeu contre une agression sexuelle et il a fallu aller au plus grave. Je rappelle qu'on était quand même sur un campus et qu'il y a normalement un service de sécurité du campus. D'accord, je tiens à vous dire quand même parce que... Qu'on a résolu l'affaire et qu'on a sauvé la jeune fille. Il faudra qu'on parle quand même de ce qu'on va mettre dans le dossier ensemble parce que si vous étiez intervenu 5 ou 10 minutes plus tôt, on aurait pu éviter un drame. Voilà. Il a été vachement rapide dans son duel, le gars. Oui, c'était rapide. C'est des étudiants. Est-ce qu'on appelle le commissaire Morlock? Bah, c'est lui qui vient de dire. Oui. Donc du coup, bon, il est au courant qu'on a pris, enfin, qu'on a arrêté Boris, qui a commandité entre guillemets le crime. On a la photo. Donc il faut faire un avis de recherche parce que le jeune Alpha Pizza a menacé. On l'a déjà envoyé. Hein. Mais comme il l'a menacé, on ne sait pas s'il y a des retours ou pas. L'avis de recherche tourne et dans quelques, enfin, il y a des patrouilles en tout cas qui l'ont et qui cherchent quelqu'un qui serait dans les rues. Et donc il n'y a pas eu par exemple des situations où des gens se sont poussés malheureusement. Il le fait à l'aube. Il ne s'est rien passé en ville. Ah oui, il n'y a pas eu d'autres crimes. Éveillerait un peu des soupçons sur une personne. Pour l'instant non. De toute façon là maintenant ça va être le gars le plus recherché de la ville. Ok, donc on fonce au doc quoi. Ouais. On va voir Lorenzo Barkovic de la Compagnie des poissons. Ah oui, ok. Ouais, mais en fait, pourquoi on va au doc? En fait, je voulais peut-être rappeler les parents. Moi, il y a un truc que je trouve un peu bizarre, si tu veux, c'est qu'apparemment, il serait... Enfin, c'est sûrement un immigrant qui était venu dans des docks, en fait. Oui. Donc peut-être qu'il est venu par la compagnie de Lorenzo Machin. Non, mais c'est sûr. En fait, si on va au dock, c'est pour une espèce de machin et tout, tu vois. Ou un importateur de... Ah oui, c'est un trafiquant d'êtres humains. Parce que du coup, ils ont des liens un peu plus poussés que ce qu'on pense. Et de toute façon, c'est la dernière piste qu'on a là. De toute façon, je vais vous dire, en tant que connaissance de la ville, la compagnie des poissons... C'est un héritage de la guilde des poissons d'Aria de l'époque. Ah bon? Ne tirez pas de conclusion, mais bon. Écoutez, je suis un briscard. Quelle est la prochaine étape? On va là. Vous voulez parler à Tiberius ou comment s'appelle Lorenzo? Bah non, Lorenzo Barkovic. Tiberius, s'ils n'ont plus de lien, on va peut-être ça va peut-être pas nous aider à le retrouver en fait. Tiberius Nemezzi qui est un de ses parents adoptifs. Non mais ça sert à rien les gars de toute façon. Non, en fait, la dernière pièce qu'on a, c'est que le numéro de téléphone. Non, comment on s'était lié à... Il y avait un post-it avec le numéro de la compagnie de Lorenzo Barkovic. Exactement, il y avait un post-it avec la compagnie de... Est-ce que pendant la voiture, on ne peut pas passer un coup de fil au dernier père qu'a eu Lorenzo? Tiberius, je baisse le son de Madonna du coup. Mais non, mais pourquoi? Mais attendez, pourquoi vous voulez... En fait, on s'en fout. Alpha Pizza, il y a un avis de recherche, on va le retrouver. Vous me rappelez son nom, Tiberius? Tiberius Nemezzi. Vous partez vers les docks. Effectivement, c'est à l'autre bout de la ville. Ouais, du coup, pendant qu'on est en voiture, on peut toujours passer un appel téléphonique. Oui, en passant par la radio, exactement. Ouais. Alors le dispatch. Alors, on passe par le dispatch. Ouais. Et vous ne tombez pas sur Tiberius, comment c'est quoi son nom? Nemezzi. Mais sur Maria Lisvois. Maria Lisvois. Elle dit, je suis la gouvernante de Monsieur Tiberius Nemezzi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Chère Maria, est-ce que vous avez connu le fils adoptif de Monsieur Tiberius Nemezzi? Non, j'ai été employée après qu'il se soit séparé de son fils. Et est-ce que votre... alors du coup, l'homme que vous... vous occupez de lui, vous a déjà parlé de sa vie passée, en famille? Même si c'était le cas, je ne pourrais pas vous dire ce type de choses. Eh bien, c'est tout à fait respectable de votre part, mais sachant qu'on est sur une enquête criminelle qui implique le fils de M. Tiberius, même si je sais il l'a remis à la fondation après la mort de sa femme, nous avons besoin de savoir comment il était avec son père et les raisons pour... les complications qu'il y a eu. Je n'étais pas là à l'époque et de toute façon, je ne pourrais pas vous le dire. Mais pourquoi vous ne lui posez pas lui-même les questions? C'est ce qu'on peut faire, on l'appelle en fait. Alors, il faut l'appeler à son bureau. Quel est le numéro de son bureau? Il travaille la nuit. Alors, je ne peux pas vous donner la ligne directe, mais vous appelez la banque Lehman Brothers, Tour Exilus, sur la colline Creuse. C'est la même banque. C'est Lorine. Oui, c'est la même banque. C'est Lorine qui s'est fait tuer. C'est Lorine qui bossait à la banque. Lorine Tête de Mort. Lorine Tête de Mort. Pas du tout. Mais de toute façon, vous arrivez sur les docks et il y a déjà deux voitures, deux patrouilles de police. Le Petit Ping ou pas? Deux voitures de patrouille de police. Voilà, excusez-moi. Alors, il n'y a pas Petit Ping, il y a... Je manque. Il y a Grand Patin et Blackbird, deux autres agents, et aussi Vever88 qui est un officier de la police criminelle, et il drame à la Compagnie des poissons. Lorenzo Barkovic s'est défenestré du deuxième étage. Et il s'est poussé? Et donc, il est tombé du deuxième étage, il est passé à travers la vitre, et il est au sol, et ils sont en train d'enquêter. Alors, voilà. Est-ce que je peux pas faire la médecine légale? Et le stagiaire, alors c'est bien Aria? Il y a un dernier coupable qui se cache quand même. Je vous rappelle que dans cette enquête, il y a un coupable qui est un non-sub. Donc, dans tous les noms qu'on a depuis tout à l'heure. Non, mais c'est pas vous. C'est ça, c'est la pizza. Ah, ok. Est-ce que. Alors. Oh, mais c'est Alpha Pizza qui a défenestré. Quoi ? Ils l'ont pas touché, donc je peux faire un coup de. Non, 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 non. Nous, on a nos médecins légaux. C'est notre enquête. Voilà. Le mode opératoire. On vient d'arriver, il s'est défenestré il y a 20 minutes, c'est bon. Il y a 20 minutes ? Oui. Vous avez bouclé le quartier ? Mais on n'a pas bouclé le quartier, on vient d'arriver, il y a deux voitures de police, on est en train de délimiter la zone. Excusez-nous, laissez-nous faire notre travail. Comment il s'appelle le... Lorenzo Barkovic. Non, 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 ça je sais. Toi, t'étais qui, toi ? C'est VVR88. Alors VVR88, je sais pas où t'étais cette nuit, si t'étais près de la radio ou pas, t'as pas remarqué qu'on cherchait partout, dans toute la ville, un type qui est notoirement connu pour pousser les gens. C'est peut-être une affaire liée, et peut-être qu'on vous demandera votre avis, mais pour l'instant, laissez-nous tirer notre propre conclusion. Alors, je vous rappelle que Lorenzo Barkovic, c'était un mec corrompu, et tu le sais mieux qu'un d'entre nous. Reynolds, c'est un mec plutôt louche, et tu as peut-être fait des affaires avec lui. Qu'est-ce que tu sous-entends par là ? C'est quoi ces insinuations là ? Vous faites des affaires avec des gens pourris, vous ? Ouais, je sais pas. C'est pas possible, vous êtes policier. Donc, la dernière chose que le commissaire Morlock voudra, c'est que vous enquêtiez sur l'affaire Lorenzo. Non, non, allons, allons. Écoute, nous ne cherchons que la vérité. Affaire respectée. Enfin, je peux pas jouer de mes relations. Je vous promets que vous aurez trop de transparence sur nos informations. Laissez-nous faire notre travail. Revenez un peu plus tard dans la nuit. Attends, on peut pas quand même faire une petite intimidation en mode gars, on est quand même sur un tueur en série. On a un collègue. Peut-être que je fais jouer mes relations. Et tu dis quoi ? Alors, bah justement, je suis tout à fait d'accord. Il est sur son enquête, donc il peut suivre. Mais juste, j'aimerais bien avoir ses premières conclusions, en tout cas ses hypothèses. Alors, attends. 46, c'est bon, ça marche. Bon, comme le faillot de commissaire me pose des questions, je ne vais pas me faire mal voir du commissaire. Donc, on l'a probablement défenestré par la force du deuxième étage. Nous pensons à un règlement de compte. Pour l'instant, on n'a même pas encore relevé d'empreinte digitale. Donc, on attend que... Non, mais c'est sûrement lui. Mais en fait, là, l'urgence, pour le coup, c'est de le trouver. Ouais. Là, on a compris. Il est mort et tout. C'est dommage. Il n'y a pas de caméra dans... Est-ce que vous avez checké les caméras de vidéosurveillance ? Parce que c'est quand même des entrepôts. Donc, sur les docks, c'est vérifié. Ouais. Quoi. Ouais, il y a des petits filous qui, à chaque fois, restent dans les... Ça nous amènera à quoi, en fait ? Souvent, les systèmes de vidéosurveillance sont désactivés. Il n'y a pas de caméra. Surtout la nuit. Vous vous sentez un petit peu prisonnier de cette situation, vous sentez que vous n'aurez pas les coups des franches parce qu'il y a au moins deux autres équipes de possibles. Non, mais de toute façon, ça ne nous amènera à rien. Là. Ah ouais, on veut juste savoir où est-ce qu'il est parti. Là, il faut réussir à loger. Là, attendez, on sait quand même qu'il était dans un périmètre Enfin, voilà, il était à cet endroit-là il y a une vingtaine de minutes, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, là, à 20 minutes. Donc, en fait, ça veut dire qu'il était quand même. Il est à peu près 20 minutes d'ici. On appelle le dispatch. Et on dit à 5Q, le suspect était là il y a moins de 20 minutes, resserré. Ouais, pour augmenter nos chances de le retrouver, resserré immédiatement. Ouais, mais s'il a pris le métro. Il y a une station de métro sur les deux. Il y a une ligne verticale et une ligne horizontale. S'il a pris la ligne verticale, il peut aller tout au nord d'Aria. Voilà. Bah, est-ce qu'on peut pas checker justement les. Ah ouais, mais non. Les caméras de surveillance du métro à la limite pour. Comment trouver ce petit coquin ? Comment trouver ce petit coquin ? Ça serait compliqué. On est en 90. Oui. On a résolu. Il y a des caméras. On a résolu, on sait qui il est. Mais après, il est en skate, donc s'il se déplace comme ça... Allez, avant de clore l'affaire, dernière destination. Il est où ? Alors, attends. Qu'est-ce que ferait... Écoutez votre instinct. Intuition ? Alors, son appart, il est foutu. Attends, qui va peut-être retourner à... Qui est le plus intuition ? Mais non, mais il va peut-être retourner à la Fondation Costa. Quels seraient les derniers ? Parce que là, il est en train de tuer un peu tous les liens qu'il avait avec tout le monde, on dirait. Il peut aller nulle part. Peut-être Tiberius, peut-être lui, il est en danger par contre. Hein. C'est possible. Parce que s'il a été tué Lorenzo, ce serait pas incohérent qu'il ait tué Tiberius, qui quand même l'a remis à la Fondation. Ah, c'est vrai, possible. On peut tenter un truc d'intuition, déjà, avant d'y aller, mais effectivement, c'est une bonne piste, Tiberius. C'est pas l'intuition. Quand j'ai dit faites appel à votre intuition, c'est votre intuition d'humain, de joueur. Ah. Donc, il y a une piste qui serait d'aller voir Tiberius. Il est face à la banque Lehman Brothers. Est-ce qu'il n'y a pas un croisement qu'on peut faire entre l'avocat, Lorine et notre Stéphanie, s'il n'y a pas un lien avec la banque Lehman Brothers à un moment donné ? Bah, Lorine travaillait à la banque Lehman Brothers. Mais ça se trouve, il a été tasqué. Avec Tiberius, ils ont travaillé avec lui. Ou... Mais non, mais ça se trouve, il a été tasqué par son ex-père adoptif. Pour justement se débarrasser des gens qui enquêtaient peut-être sur les actions. On va à la banque. On va à la banque. À la banque ? Ouais, c'est sûr. De toute façon, c'est le seul endroit. Donc il y a personne qui va aller à la banque. Il y a Tiberius ou pas à la banque ? Bah oui. Bah, on va à la banque. On va à la banque. Parce que sinon, on pourrait aller où ? La Fondation ? Vous prenez la voiture. On est déjà allé. Et puis de toute façon. Son appart, c'est mort. L'aube rosie, hein. C'est peut-être la fin de l'enquête. Au-dessus de la colline creuse, au centre d'Aria, on trouve le quartier des affaires. On met Holiday à fond dans l'autoradio. De nombreuses tours illuminées possédées par les sociétés internationales sont sur cette colline. La tour Tréherne, la Nakatomi Plaza est la plus haute de toutes. La tour Exilus qui abrite toutes les banques mondiales, dont la Lehman Brothers. Vous arrivez, et au moment où vous arrivez, s'écrase sur le sol devant vous, une chaise et des bris de verre. Est-ce que quelqu'un peut me réussir un jet de réflexe? De réflexe? J'ai 75 moins. Vas-y, je pense que tu l'as. Après, je vais faire quoi? Je vais rattraper la chaise? Non, tu vas l'esquiver au moins. Ou rattraper la personne qui pourrait tomber. Romanoff voit la chaise tomber, elle vous pousse sur le côté, ce qui est désagréable, mais au moins vous ne vous prenez pas une chaise et vous ne mourrez pas sur le coup. C'était désagréable, Romanoff. Effectivement, vous voyez qu'au 35e étage, quelqu'un vient de défoncer une baie vitrée. Sans reconnaissance. C'est par là, on sort vite nos flingues, on prend le fusil à pompe. Ouais, le fusil à pompe, il est là. Et on y va. Alors, il y a un vigile afro-américain, Léonard Chichelette. Léonard Chichelette, on lui dit... vous venez pourquoi? Il va y avoir un meurtre dans quelques instants. Police criminelle, on monte au 35e étage, appelez immédiatement la police. On appelle la police, ouais, on prenez l'ascenseur. Oui, mais nous, on est occupés. Donc il appelle... réceptionner qui que ce soit, genre un matelas gonflable ou... Appelez Petit Ping. Ouais, Petit Ping, donc pendant qu'on monte, on radio le dispatch. Ouais, tout en courant, vous... Pour dire, envoyez-nous du renfort à la Tour Exilus. Vous montez par l'ascenseur, vous arrivez au 35e étage, les portes s'ouvrent, et vous rentrez dans la banque Lehman Brothers qui est quasiment vide, sauf pour le bureau de Tiberius, dont la baie vitrée a été défoncée, et vous voyez un homme avec un hoodie et un skate à la main qui est en train de traîner Tiberius pour le jeter par la fenêtre. Loupez pas vos tirs. Halte là. Ils sont vraiment à côté de la fenêtre. Il y a un problème, si vous tirez sur le mec, le Tiberius tombe. Non, attends, il le tient en équilibre au bord de la fenêtre? Il le tient avec lui, il est au bord de la fenêtre. Donc là, on arrête Alpha Pizza, tu es fait comme un rat! S'il te plaît, parce que moi je suis politique, s'il te plaît. Non, on lui dit justement. Donc convaincre? Ouais. Attends, est-ce qu'on n'a pas une chance sinon de lui sauter dessus, de le plaquer au sol? Et comme ça, aucun des deux tombe. Non, parce que là, si tu le plaques au sol, t'es de 30. Non, je sais pas, genre. Tu vas en arrière, mais. Je sais pas. Alors, parce qu'il est pas armé. Déclarez vos dernières actions, il est 18, donc ça s'arrête dans 2 minutes. Nous, on le tchatche et vous deux, vous le flanquez. Pour effectivement essayer de les plaquer au sol. Ouais, alors que nous, on essaie de... Essayez justement de le convaincre parce qu'on sait que cet enfant, il vient, il a été... On peut faire good cop, bad cop? Ouais. Ah, yes. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? Moi, je lui fais un mentir convaincre. Je lui dis qu'en fait, on est au courant. Alors, tu as 20% de... C'est un tueur déterminé qui n'a plus rien à perdre, qui vous a en plus défié. Tu as 20% de malus sur ton jet de mentir convaincre. Et surtout, on sait qu'on le comprend. Tu vois, il a été trimballé de famille en famille, il est immigré, il est venu dans un... c'est pas ça, il l'a pas, il dit arrête, Alpha Pizza, sinon je te flingue, c'est ça? Non, je lui dis on est au courant de tout ce que t'as fait. Tout ce qui t'est arrivé. Toute la ville, toute la police te recherche. Ton signalement est dans toutes les voitures de patrouille, tu iras nulle part. Moi, j'ajoute un combo sympathique en disant on comprend d'où tu viens, t'as été trimballé, importé dans un pays. Fais ton jet de sympathie déjà. Ouais. Yes. Allez, c'est parti. Et nous, du coup, on est. Allez, mon gars. La sympathie triomphe pas. J'ai fait 92 et 100 là, j'en ai juste de sympathie. Allez. T'auras une augmentation. Allez, Power Québec. Merde, il y en a qui est parti. De toute façon, c'est un 80, on n'en renvoie pas. Non, ici, il a une chance sur 10 de faire 80. Faut que je fasse 0. C'est pas possible. Allez, vas-y, lance ton dé. On n'a plus le time, là. C'est bon, sinon, Webedia m'envoie une facture, alors. Alors, vas-y. C'est long. 80. Mais le Québec libre! Voilà, les Trois-Rivières, c'est pour vous les Trois-Rivières! Alors, il se retourne. La politesse jusqu'au bout. Il lâche Tiberius. Non, mais il le lâche quoi dans le vide? Il le lâche pas dans le vide, il le lâche sur le côté. Ah. Donc, au moins... Et là, vous êtes sur l'embuscade. On chope Tiberius et le gars aussi. Enfin, tu l'attrapes, vas-y, fais un jeu de tabasser. Mais je veux pas le tabasser, c'est la même compétence. C'est la même compétence, ok. Plaquage. Et fais pas un sens, tu fais un sens, là tu sautes dans le vide. C'est ma première enquête, toutes les enquêtes sont comme ça parce que je suis fatigué là. 23, putain. Romanoff plaque Alpha Pizza à terre, vous lui mettez les menottes et vous avez arrêté un dangereux serial killer. Vous pouvez vous féliciter, c'est fantastique. Voilà. J'ai chaud. Alors, l'enquête a beaucoup de ramifications et beaucoup d'explications, même si vous en avez dévoilé pas mal de choses, vous n'avez pas encore servi à quoi servent les cuissons, quels sont les liens entre Tiberius, tout ça. Bon, voilà. On dévoilera tout ça peut-être sur le Discord de la JVT, parce que, du stream, parce que malheureusement, on n'a pas trop le temps. Ah. Mais en tout cas, c'était une belle enquête. Le soleil se lève sur Aria, vous avez arrêté un dangereux. Est-ce qu'on peut regarder le soleil se lève à travers la baie vitrée brisée comme ça? Et voilà, c'est ça. C'est la fin, les crédits tournent, voilà. Il y a Anseman d'humeur à la musique, c'est fantastique. Voilà. Et c'était une très belle enquête. Merci Sam, merci Kyria d'avoir été avec nous. Merci. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça vous a plu. Voilà. Et ils disent pas bonjour, ils disent pas merci. Mais oui, mais merci Daz, l'inspecteur Reynolds et notre Canadien. Nous avons des spectateurs québécois qui seront très... Les Trois-Rivières. Voilà, qui je pense se reconnaîtront dans ta sympathie et ta bonne humeur. On a fait des choses incroyables avec les dés par contre. C'est plusieurs cents. J'ai jamais été aussi cool. Enfin, sauf sur le dernier G, mais... Ouais, c'est ce dialogue que t'as fait à la fin en disant « On t'aime, Alpha Pizza, tu vas y arriver !» Oui, le pouvoir du Québec. Voilà. Voilà. Alors, quand même, au bilan, avant qu'on se quitte, vous avez arrêté un serial killer, vous avez aussi arrêté le commanditaire du meurtre. Oui. Il y a des choses qui ne sont pas claires, vous n'avez pas sauvé Luciano. Vous n'avez malheureusement pas réussi à intercepter une tentative de viol. Lorenzo, oui. La tentative de viol, vous n'avez pas pu l'empêcher. On a arrêté le coupable. Vous avez arrêté le coupable. Bon. C'est déjà ça. Vous n'avez pas pu sauver Margot, qui s'est fait abattre par Franck non plus. Voilà, ouais. Mais vous avez arrêté... Je sais pas comment je suis arrivé, j'ai pas compris comment... Il y avait des trous dans le mur partout, mais... Pas... Vous avez quand même démantelé aussi un atelier clandestin, c'était bien. Et il y avait aussi une vague enquête sur les docks, mais je pense qu'on n'avait pas le temps du tout. Non. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, je vous fais des bisous, et on se retrouve, attention, pas dans 15 jours, parce que c'est la Paris Games Week, mais dans 3 semaines... Mais non. On se retrouve le 17. Paris Games Week, c'est la semaine prochaine. Donc, oui, mais... La semaine prochaine, c'est la Paris Games Week. Ensuite, il y a Rolls the Dice. En fait, il y a deux. Et on se retrouve le 17 novembre pour la suite de nos aventures à Kniga. Et si ça vous a plu, cette one shot, on fera peut-être d'autres enquêtes policières. Voilà. C'était vraiment... Merci à tous. Merci. Salut.